Bonjour à tous. Bonjour à tous. Merci d'être venus aussi nombreux pour cette première conférence en partenariat avec le BDS. Oh, ça va. C'est bon. Donc l'invité qu'on a ce soir, cet après-midi, est un invité de marque. Tous les amateurs de football le connaissent, le voient tous les dimanches soirs sur le Canal Football Club. C'est un grand amateur de football depuis qu'il est jeune. Il a commencé à jouer au football très jeune. Il a vite arrêté pour se lancer dans le journalisme. On lui laissera expliquer pourquoi. C'est un passionné de football. Il consacre sa vie à ça. Qui est cette personne-là, Clara ? Merci de bien vouloir accueillir comme il se doit, Monsieur Hervé Matou. Bonsoir. Ah, vous êtes impressionnant, ça me permet de vivre ce que vit l'invité du CFC tous les dimanches, en fait. Marcher comme ça et devoir parler à un couillon qui lui pose une question d'entrée. Normalement, c'est moi. Je parlais pas pour vous. Hein. C'est sympa, merci beaucoup. On s'assoit là, vous pouvez aller vous asseoir. Ok. Exactement. J'ai pris un petit cahier parce que je suis pas du tout un homme de chiffres et j'ai du mal à retenir les chiffres. Pour le foot, il y a rarement plus d'un but, donc j'y arrive, mais... Là, j'ai quelques chiffres, si jamais vous me posez des questions sur les chiffres. On peut faire ça, merci beaucoup. On va commencer tout ça par le billet d'humeur d'Eugénie... Donc avec cette télécommande-là, je peux changer les slides, c'est magnifique. Regarde, hop là. Donc, le billet d'humeur d'Eugénie Gomez. Bonjour à toutes et à tous, et bien sûr, bonjour à vous, Monsieur Hervé Matou. C'est un plaisir d'accueillir dans cet auditorium une personnalité journalistique telle que vous, car cela fait plus de 2 décennies que l'on vous voit sur nos écrans de télévision. Je sais, cela ne vous rajeunit pas, mais que voulez-vous ? Il faut bien les assumer, vos 50 ans, maintenant que vous les avez. Monsieur Miaou, je me dois d'être honnête avec vous. Vous m'avez donné bien du fil à retordre. À J'aime un débat, nous sommes habitués aux personnalités, en particulier politiques, qui se baladent avec quelques belles casseroles à l'image de Claude Guéant, Alain Juppé ou encore François Fillon. Vous, rien. J'ai eu beau chercher, fouiller ce qu'Internet avait à m'offrir, je n'ai pas trouvé grand-chose. Enfin, si, vous, usant de vos charmes, devant une ravissante jeune femme nue, couverte de body painting. Mais c'est tout. Je me souviens. Comparé aux affaires de financement de campagne, d'emploi fictif et j'en passe, vous reconnaîtrez que cette petite vidéo fait un peu grise mine. Et voilà que m'incombe la lourde tâche de vous présenter. Chose non aisée, je dois l'avouer. Passionné de poésie et de théâtre, votre parcours est somme toute assez classique, étant donné votre profession. Vous avez suivi un cursus de lettres modernes, puis avez intégré l'Institut pratique de journalisme à Paris. Après un petit passage à Radio France, où vous vous êtes fait la main, vous avez effectué quelques stages à TF1 à partir de 1990, puis avez intégré leur service sport en 1993. Et voilà qu'en 1996, ce brave Michel Denisot débarque et vous débauche au profit de Canal+. Décidément, il a du nez cet homme entre vous et Yann Barthès. Vous avez alors connu une période de transition, qui n'a guère été aisée, car, bien sûr, on n'est pas accueilli à bras ouverts à Canal+, quand on vient de la maléfique concurrence qu'est TF1. Tranquillement, vous tracez votre route, jusqu'en 2008, date à laquelle on vous confie le CFC, ou le Canal Football Club, pour les non-initiés. Un an plus tard, c'est dans ce magazine grand public que l'on assiste à un coup de foudre télévisé. On vous attribue un compère, et pas n'importe lequel, s'il vous plaît, Pierre Ménès. Vous, plutôt force tranquille, vous voilà mis en face d'un sacré luron, qui n'a pas la langue dans sa poche et qui semble totalement dépourvu de la case censure dans sa tête. Qu'à cela ne tienne, depuis cette date, vous formez un duo complice et très plaisant à regarder, qui joue un grand rôle dans la réussite de l'émission. Bien sûr, vous êtes loin des scores de Yann Barthès, un de vos anciens collègues, qui n'est d'ailleurs qu'un exemple parmi tant d'autres des départs qui se sont accumulés depuis quelques mois à Canal+.
Que voulez-vous ? Vous ne présentez qu'une émission sur le football, tout de même. Je fais ma mauvaise langue alors que j'adore le foot. Une vraie fan. La preuve, j'ai regardé Griezmann et Giroud à l'Euro 2016. C'est déjà pas mal, non ? Et oui, contrairement à ce que l'on pense, en école de commerce, on travaille, un peu, on fait la fête, beaucoup, mais de temps en temps, on se met également à faire du sport. Preuve en est le derby Rhône-Alpes, lors duquel on a encore une fois corrigé le Lyon. Ils me font un peu penser au PSG, qui chaque année espère gagner la Ligue des Champions. C'est beau de rêver quand même. D'ailleurs, en parlant de rêve, vous avez toujours voulu devenir journaliste sportif ? Avouez que cette vocation suscite réflexion, car en ayant suivi un cursus de lettres modernes, on peut légitimement penser que vous êtes un amoureux de la langue française. Et là, bim badaboum, vous voilà à interviewer des génies du français qui sont d'un niveau similaire à celui de Franck Ribéry. Ciel, que de souffrances vous avez à subir. Mais il semblerait que cela n'ait pas entamé votre amour du sport, et tout particulièrement celui du football. Vous continuez à nous faire grâce de vos commentaires et de vos analyses, que ce soit en live ou sur FIFA 17, que vous commentez conjointement avec votre exubérant trublion, Pierre Ménès. Vous contribuez à la popularité du sport en France en le rendant accessible et compréhensible. C'est donc un honneur d'avoir dans cet auditorium une personnalité telle que vous. Je vous remercie encore d'être présent, Monsieur Matou, et je vous souhaite une bonne conférence à tous. Ça fait un peu drôle, on a l'impression de soit d'être à la Légion d'honneur, soit d'être mort, en fait. Bon. Mais merci. Il y avait quelques petites erreurs factuelles, très légères, mais je ne vais pas les corriger, car ce n'est pas grave. Très bien, très bien. Donc, moi, je vais vous expliquer simplement comment on va procéder la conférence. Donc, il y aura trois grandes parties. On va commencer sur une partie qui est très journalistique. Donc, on attaquera principalement le travail de M. Matou ici présent et on va essayer de développer cette idée-là. Ensuite, on travaillera sur une idée un peu plus sport-business. Donc, on se pose tous des questions sur les sommes engendrées par le sport et le football de manière générale. Et donc, on va beaucoup développer cette idée-là parce que je pense qu'il y a pas mal de problèmes à soulever. Et en troisième partie, notre beau Nico Chabot va développer une partie sur le sport principalement. Et donc, on va poser des questions à notre grand spécialiste du sport, ici présent. On terminera par un concours de t-shirts mouillés, je crois. On peut faire ça. On peut faire ça. Charline, on peut prévoir ça. Si on peut prévoir ça en régie, s'il vous plaît. Merci. Merci, Michel. Donc, on va attaquer par une première partie, donc l'interview. Voilà, on va commencer par une première partie sur le journalisme sportif. Donc, je vous demande d'accueillir Charline. Merci Gaston pour tes lumières. On va commencer maintenant, s'il vous plaît. Alors, comme l'a fait remarquer Eugénie, on vous voit sur nos écrans depuis maintenant 20 ans. Et la question qu'on se pose tous, sûrement, comment êtes-vous devenu journaliste sportif ? Avez-vous d'abord été attiré par le journalisme puis le sport, ou le sport puis le journalisme ? C'est un petit peu comme la poule qui a fait l'œuf. Voilà. Je pose la question. Un peu les deux, en fait. J'ai une vocation assez précoce, vers, je dirais, 12-13 ans, où j'ai eu envie d'écrire des choses, d'écrire des choses pour mes parents, notamment, des journaux, des faux journaux. Et c'est vrai qu'à 12 ans, on fait rarement ça sur le cours de la bourse. Donc, moi, c'était plutôt sur ce que je vivais à travers l'épopée des Verts dans les années 76, l'épopée de Bastia en 78, voilà, le foot. Il y avait beaucoup moins de foot à la télé qu'à l'époque, qu'aujourd'hui, je veux dire. Donc, j'ai commencé, voilà, cette vocation est née, on va dire, à travers le sport. Mais ensuite, j'ai vraiment pris soin de continuer à être ouvert sur tout. Et surtout de ne pas m'afficher comme le sportif de service, quoi. C'est-à-dire que, en fait, quand je suis rentré en école de journalisme, statistiquement, dans les promotions de journalisme, il y a toujours 2-3 gars qui disent « moi, je serai spécialiste de sport » et qui font que les sujets sport. Voilà. Moi, je n'étais pas du tout dans cette démarche. Je voulais tout faire et je pense qu'il y a plein de gens qui ont fait... leur cursus avec moi, qui ne savaient même pas que j'étais spécialement branché sport.
Donc j'ai commencé généraliste. En revanche, assez vite, quand j'ai eu la possibilité de rejoindre le monde du sport et notamment du foot, parce que je suis essentiellement footeux, et bien voilà, j'ai joint cette passion à mon métier. Donc pour répondre à votre question précisément, les deux en même temps, quoi, voilà. Avant tout, l'envie de faire ce métier, de partager. J'ai pu rêver devant des reportages qui n'étaient pas des reportages de sport, des reportages d'actu, des reportages notamment d'actualité étrangère, et de rêver également devant le sport. Donc voilà, tout ça s'est réuni, s'est retrouvé. Et si vous deviez retenir un seul élément de cette grande carrière, ce serait lequel ? Bon, je ne suis pas encore mort. Hein, Le plus beau événement sportif de votre carrière, par exemple ? Alors moi, je suis très mauvais aux questions genre c'est qui, la personnalité que vous avez préférée, le moment, parce que j'ai envie de vivre tout ça dans une espèce de maelstrom global. En fait, j'ai plein de choses qui m'ont marqué. Beaucoup de, on va dire les 10 premières années de ma vie professionnelle, c'était plus du reportage. Donc j'ai eu la chance, et c'est un des avantages de ce métier, de parcourir le monde pour faire des sujets. J'ai adoré faire la Coupe du Monde en 94. C'est là que vous vous rendez compte que je suis très vieux, parce que vous êtes né en 95, en gros, j'imagine. Donc voilà, 94, la Coupe du Monde. Les Jeux Olympiques d'Atlanta, tout ça, c'est des grands moments. J'ai adoré aussi, dans ma carrière avant sportive, couvrir pas mal de procès d'assises, par exemple. C'est des choses qui m'ont fortement marqué. Voilà, je préfère franchement, j'ai pas de moment particulier. Et c'est le privilège de mon métier, globalement, eu la joie de me lever chaque matin depuis maintenant plus de 20 ans et de me dire c'est super, je suis content de bosser aujourd'hui. Donc si on vous demande le sportif le plus sympa, vous ne nous répondrez pas ? Ben non, parce que j'en vois pas, c'est pas que j'en vois pas, mais il y en a certainement. Il faudrait que vous me donniez une très grande liste, là je dirais ouais, lui sympa, lui pas très sympa, etc. Mais en même temps... souvent, les gens demandent est-ce qu'il est sympa, tel gars, etc. Et moi, je réponds quand j'ai le temps, parce que des fois, je dis que j'en sais rien. Mais quand je réponds, quand j'ai le temps, je dis je n'en sais rien. Parce que, et encore moins aujourd'hui qu'il y a quelques années, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, honnêtement, notre rencontre avec les sportifs, elle se limite à des zones de plus en plus calées, on va dire, les zones mixtes, les zones d'interview, de conférences de presse. Il y a assez peu d'échanges et les joueurs, on les connaît sans les connaître, on les connaît dans une expression, dans une prise de parole qui est finalement une prise de parole publique, donc où ils se livrent pas vraiment. Donc on a du mal à savoir exactement qui ils sont. Il y en a même, là je parle d'expériences qu'on m'a racontées, parce que j'ai mais Zlatan, par exemple, la saison dernière, quand il faisait des zones mixtes, c'est une de mes collègues, Astrid Barr, qui me racontait ça. Quand elle était sur le terrain, il arrivait à côté d'elle, elle disait « Hello, on va être en direct, etc. » Il ne la regardait pas, il restait comme ça, assis. Et donc, elle posait les questions, il répondait sans jamais croiser son regard, hein, regardait comme ça, dans le vague. Elle disait « Merci », il partait. À aucun moment, il n'avait même regardé qui l'avait interviewé. Et ça se passe assez souvent comme ça, quand même. Pas tous, hein, je vous rassure, il y a des gens très bien. Il y a aussi des gens plein de sympas. Alors là, pour le coup, quand j'ai les invités au CFC, où on a plus le temps de les voir, en dehors de leur milieu, finalement, comme ça, il s'avère que la plupart sont très, très, très sympas. Et ça se passe bien. Mais voilà, globalement, dans le flot du monde professionnel, où c'est conférence de presse. Et ce que je peux comprendre aussi, c'est que le parcours d'un joueur après un grand match, en Ligue des Champions, par exemple, on va prendre le joueur le plus demandé, par exemple. Il va faire ce qu'on appelle l'interview flash. En sortant de la pelouse, il va avoir... Papaga, parce que là, je parle de Ligue des Champions. Là, je parle même de Papaga, où le gars, il ressort 15 minutes après. Mais l'interview flash, il va faire deux interviews express, deux questions. C'est très, très pro. C'est deux questions, pas plus qu'une. C'est pour ça que c'est Papaga. Et donc, il va faire ça. Ensuite, il va sortir. Il va faire les studios des détenteurs de droits principaux, qui va faire éventuellement deux studios de 4 minutes avec les deux détenteurs de droits, par exemple si c'est un match franco-anglais, les Français et les Anglais. Ensuite, il va passer sur les détenteurs de droits des pays qui ne jouent pas. Donc éventuellement, il va,
il va faire 3-4 comme ça interviews et ensuite il va passer devant une zone mixte où là il y a la meute de journalistes qui n'ont pas, les droits premium, qui sont derrière des barrières et qui vont essayer de le faire réagir. Donc c'est vrai que c'est aussi un parcours du combattant, quoi, la prise de parole après un match pour un joueur. Donc c'est pas facile. Mais voilà, ceci explique cela. On a finalement pas toujours la possibilité de dire comment les personnes sont réellement. Charline, excuse-moi de te couper, il y a une question qui me turlupine un peu pour revenir dessus. Vous avez pas si elle turlupine, il faut. vous êtes au CFC depuis 8 ans à peu près. Est-ce que vous n'avez pas un sentiment de lassitude au bout d'un moment, peut-être de frustration aussi dans le sens où vous êtes loin des terrains, vous êtes de plus en plus loin de ce qui se passe vraiment? Alors, moi, je pars du principe dans la vie, et c'est un des rares conseils que je vous donnerai pour le bonheur. Il faut être ambitieux, avoir envie de choses, mais il faut aussi savoir regarder ce qu'on a plutôt que ce qu'on n'a pas. J'ai connu plein de gens dans ma vie professionnelle qui sont des gens toujours malheureux parce qu'ils regardent toujours ce qu'ils n'ont pas. Ouais, j'ai ça, mais j'aurais pu aussi avoir ça en même temps. Voilà. Donc, à partir du moment où je suis passé plutôt à la présentation, ma carrière a pris un tour de présentation. C'est le jeu. Voilà, il y a des choses que j'abandonne. Alors quand je vois les jeunes de la cellule reportage, par exemple, qui partent aux Bahamas, au Népal, je peux les envier. Je me dis, tiens, ils ont quand même du pot, c'est super. Bon, ben, moi, effectivement, quand je vais à Grenoble, je suis content, c'est exotique. Donc, je ne l'ai plus. Le commentaire de match, quand parfois il y a un super match, une demi-finale de Ligue des Champions, Stéphane Guy va le commenter, je me dis, il a du beau, j'aimerais bien partager ça, etc. Mais on ne peut pas tout avoir. Je fais de la présentation. Et il y a plein de gens qui doivent se dire ah, il a du pot de faire cette émission. Donc voilà. Alors, bien sûr, il y a une forme de routine. Ça fait, c'est la 9e saison du CFC. En même temps, on est sur l'actualité. L'actualité a toujours du talent. L'actualité, elle change. La formule change. Les consultants autour de moi changent. Donc, ça met un peu d'éléments de changement. Voilà, même si je suis toujours effectivement dans l'envie parfois de faire d'autres choses. Mais enfin, voilà, il faut savoir aussi ne pas écouter que sa frustration et écouter son plaisir. C'est très beau ce que vous dites, en tout cas, merci beaucoup. Je sais, c'est très très beau. D'une manière générale, vous allez voir, je vais dire des choses très belles. On a déjà hâte. Comme l'a rappelé Pierre, on vous voit une fois par semaine à la télé dans le CFC et on imagine un peu le travail que ça demande en amont, mais on aimerait savoir un peu l'envers du décor d'une émission télé, comment vous la préparez, comment vous managez des chroniqueurs à parfois forte personnalité, comme Pierre Ménès ou Christophe Dugarry. Alors, je suis content que vous disiez ça parce que généralement j'ai 9 personnes sur 10 qui me disent mais tu fais quoi parce que tu bosses 2 heures par semaine. Donc enfin quelqu'un qui se dit qu'il y a du travail derrière. Donc effectivement c'est un suivi en fait. Une émission hebdomadaire c'est une mise en place en début de semaine et puis c'est une surveillance, on va dire, et puis une accélération. Donc plus on s'approche du dimanche, plus ça devient intense et important. Donc moi je suis co-rédacteur en chef de l'émission. Donc moi j'ai toujours aimé mettre les mains dans le cambouis. J'ai souvent, pas au tout début bien sûr, mais souvent eu un rôle d'accompagnement éditorial des émissions que je présentais. Enfin, j'aime pas trop le concept du présentateur qui arrive, qui dit elles sont où mes fiches, qu'est-ce que je dis. Voilà, bon, c'est pas ma façon de travailler. Donc voilà, en gros, le lundi, on fait une conférence critique. On va dire que ma semaine commence le dimanche soir à minuit, quand je rentre, j'ai rendu l'antenne, je rentre chez moi. Je regarde l'émission qu'on vient de faire. Je regarde J+1 d'abord pour le plaisir, que j'ai enregistré pendant que je rentrais. Je regarde l'émission ensuite parce que je sais que si je ne la regarde pas là, je ne pourrai plus la regarder après. Et puis parce que j'ai une conférence critique le lendemain matin. Donc voilà, je regarde l'émission. J'essaye de ne pas m'endormir, mais j'y arrive. Ensuite, j'essaye de m'endormir, mais j'y arrive pas. Parce que quand on sort un peu d'une émission, on est un peu quand même éveillé, on va dire. Donc le lendemain matin, on a une conférence critique sur l'émission. On essaie de voir ce qu'on a fait de bien, ce qu'on aurait pu faire mieux, ce qu'on a fait de mal, etc. Et ensuite, on se projette sur l'émission suivante.
On commence une sorte de préconducteur, on a la problématique de l'invité, qui est souvent compliquée. Voilà, quels sont les matchs qu'on fait, quelle histoire on va pouvoir raconter dans la prochaine. Et puis ensuite, au cours de la semaine, c'est un suivi finalement. Voilà, c'est à la fois, on ne travaille pas 8 heures par jour tous les jours, mais on ne s'arrête jamais réellement. En fait. Voilà, on est toujours, même quand on prend un jour de repos, le téléphone sonne, les mails tombent, parce que vous ne pouvez pas dire stop, actualité, 48 heures, je ne suis pas là. Voilà, donc on a des décisions à prendre. Et notamment sur une hebdomadaire, essayer de comprendre ce qui est intéressant et ce qui le sera encore 6 jours plus tard. On parlait tout à l'heure de l'accident, malheureux accident d'avion là, qu'il y a eu cet après-midi. Vous me demandiez qu'est-ce que vous allez faire. Et je vous ai dit, on va peut-être en dire un mot, mais pas plus. Pourquoi ? Parce qu'on est mardi. On est mardi, en plus c'est loin. Donc il y a une règle journalistique qui est le rapport de l'éloignement. Pour vous la faire un peu cynique, mais c'est la réalité. 2 morts à Grenoble, c'est plus important que 400 au Népal. Voilà, c'est comme ça pour les médias, enfin locaux. D'ailleurs, on le voit. Je fais une toute petite parenthèse, une petite digression, mais si il y a un bus avec des Français qui a un accident avec 20 morts tous les jours, toutes les chaînes d'infos vont faire des duplex, des machins. Si c'est un bus d'Espagnol juste derrière la frontière, ce sera une brève. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Fin de la parenthèse. Donc il faut essayer de voir ce qui va continuer à avoir du sens le dimanche. Et généralement, pour quelque chose qui naît le mardi ou le mercredi et encore du sens le dimanche, il faut que ce soit vraiment très fort, quoi. Et puis, il ne faut pas se tromper. Des fois, on peut lancer un truc et puis on se rend compte que le dimanche matin, ça a pris un gros coup de vieux. Que c'est plus trop intéressant. Donc voilà, donc il y a du guidage toute la semaine. Ensuite, on a une réunion formelle le vendredi où on refait le point sur quels sont ce qu'on avait décidé de faire le lundi, qu'est-ce qui est mort parce que le moins intéressant, mort parce que finalement le journaliste, le reporter a pas pu avoir ce qu'il voulait, il s'est fait recaler ou voilà, qu'est-ce qui est né, voilà, on travaille sur ces là-dessus. Et puis le samedi, je regarde les matchs. Le samedi soir, vous imaginez mes soirées comme c'est sympa le samedi soir, regarder Lorient, ça fait rêver. Hein. Et ensuite, j'ai un point téléphonique avec le rédacteur en chef et l'autre, le producteur de l'émission, en fait. On se refait un point en fonction de ce qu'on a vu. Ensuite, le dimanche matin, j'ai un nouveau point téléphonique à 11h où là, on a un conducteur vraiment qui commence à naître de l'émission, enfin, plus que né, voilà, on a un conducteur de l'émission qui reprend exactement les séquences, etc. L'équipe technique arrive, à 14h, je fais un point vraiment avec la script où je décris vraiment l'émission séquence par séquence, et ensuite, voilà, on est prêt à faire l'émission. Et ensuite, je me recouche à minuit, et voilà. Ça vous fait quand même une grosse semaine, hein? Non, mais comme ça, ça paraît, mais ça va, quoi. Je vais pas non plus vous faire pleurer. Hein. Vous travaillez beaucoup plus, à mon avis, en école de commerce. Ça se discute. Pour rester sur l'émission, on va maintenant passer aux sportifs que vous invitez. Et si vous êtes d'accord de vous prêter à un petit jeu, on va vous présenter des citations de philosophes et vous devrez deviner qui en sont les auteurs. Okay. La première citation, c'est « On va se souder les coudes ». Ah. Ça, c'est très important, effectivement. Ça me dit quelque chose, mais il faut que vous me donniez des... C'est pas eux. Oui, j'ai entendu, mais si vous me donnez pas d'éléments, je ne peux pas le retrouver, non ? C'est Alain Traoré, ah oui, ancien international. Qui était à Lorient à l'époque quand il a dit ça. Hein. Qui est en prêt l'année dernière à Monaco. Ouais. Donc, deuxième citation. « Je suis très ému d'aller aux États-Unis. Ce n'est pas tous les jours que l'on peut aller en Europe. » Ah ouais. Quand même. Quand même. Je ne sais pas non plus. Franck Lobos, ancien international chilien. D'accord. Mais bon, on l'a sélectionné parce que celle-là... Ah, était pas mal. Ouais. C'est pas mal quand même. Troisième, il a plein de qualités qui fait que maintenant, il faut le laisser évolutionner. Il y en a tellement qu'on aurait pu le dire, je ne sais pas. C'est notre héros national, Zinedine Zidane. Ah ouais, quand même. Ouais. Bon, après, ils sont stressés quand même, les gars. C'est ça. Hein, c'est pas si facile que ça. Et on touche pas Zidane. Ah, désolé. Non, pas toi, Zinedine. Pas après tout ce que tu as fait.
on va tout de même finir par la plus célèbre des citations. J'espère que la retourne va retourner. Quand bah même, oui. On était obligés. Ça, je le sais. Ouais. Ouais. Donc, suite à ce petit jeu, la question c'est comment vous gérez les potentielles difficultés de compréhension avec les footballeurs qui n'ont pas... Ah, désolé. Qui ne viennent pas forcément des mêmes univers et qui n'ont pas forcément les mêmes codes. Mais c'est une bonne question. Merci. Je fais mon François Fillon. Non, en fait, je pense que il faut pas être complètement coincé sur le parler, l'aisance avec les phrases, etc. Je pense qu'il y a des choses autres qui passent dans une émission de télé. Il y a l'intelligence du cœur, déjà, tout simplement. Je pense que c'est pas parce qu'on n'a pas soit de culture, soit de formation, etc., que ce qu'on dit n'a pas de sens. Et voilà. Donc je pense qu'il y a des gens qui parlent avec avec simplicité. Mais ça fait sens et c'est intéressant. Et puis, je pense que dans une émission comme la mienne, en tout cas, c'est aussi ce que je dis souvent aux invités quand ils arrivent, c'est qu'il y a un enjeu. Nous, notre émission, elle n'est pas basée sur l'invité. C'est pas une émission avec des plages de 10 minutes d'invités, parce qu'on estime que ce sera un peu... Enfin, on donne un peu plus de temps, pour être honnête, quand c'est un président ou quand c'est un entraîneur qui a une vision un peu de manager et tout. Quand c'est des joueurs, on s'adapte aussi en fonction de l'actualité. Mais globalement, je pense qu'il y a un enjeu, tout simplement, d'adhésion au personnage. Quand vous regardez une émission, vous avez envie de vous dire, tiens, ce gars-là, est-ce qu'il m'est sympathique? Est-ce que je l'aime bien? Est-ce que j'ai envie de le suivre? Est-ce que j'ai envie juste de l'aimer, quoi, en fait? Et ça passe un peu par la parole, mais aussi juste par la manière d'être, par la manière que la personne va dégager, en fait. Et ça, c'est un enjeu, je pense, assez majeur dans une émission. Moi, par exemple... Je donne un exemple. La Formule 1, ça ne m'intéresse pas du tout, personnellement. Côté mécanique, voiture qui tourne, la pole position qui ne bouge jamais, enfin, je trouve. Voilà. En revanche, si je commence à suivre des sujets sur les pilotes, je vais du coup regarder le Grand Prix de manière très différente. Parce que je vais dire, tiens, lui, il a l'air sympa, tiens, j'ai plutôt envie qu'il gagne. Alors, lui, vraiment. Pourvu qu'il est dans le décor, mais qu'il tombe en panne d'essence. Donc, du coup, voilà, ça met de l'intérêt. C'est aussi notre manière de travailler, d'ailleurs, de dégager des histoires dans le sport, notamment sur la Formule 1, depuis qu'on l'a reprise. Mais voilà, je pense que les gens ont envie de suivre. Pour les tennismans, c'est pareil. Franchement, les tennismans, sur quels critères sont faits vos envies de vous attacher à un joueur? Sur son style, quand même, sa manière de jouer, mais aussi sur sa sympathie, ce qu'il dégage. Et ça passe pas uniquement par des discours. Ça passe par la manière d'être, y compris sur un plateau. Et puis voilà, faut pas être trop... on est les premiers, ça peut nous arriver de nous moquer et tout, parfois, mais il faut pas être trop sévère avec eux, parce que souvent, ils répondent à chaud, derrière un effort important, etc. Et puis, comme vous l'avez dit, ils ont pas toujours les codes, en tout cas pas les mêmes que nous. Et si on était, si je vous mettais dans le vestiaire à discuter avec eux, je pense qu'ils diraient, elle dit quoi la fille, alors qu'eux se comprendraient très bien. Donc pour rester sur les sportifs et les sportifs en devenir, est-ce que vous pensez qu'il y a une évolution dans le suivi des jeunes dans les centres de formation français? Oui, je pense que ça a beaucoup beaucoup progressé depuis une dizaine ou quinzaine d'années. Il y a 20 ans, ce que faisaient les clubs très souvent, c'était on prend les joueurs, les joueurs potentiellement bons, on les prend, on écrème, parce qu'il faut savoir que dans les centres de formation, pour 10 qui arrivent, il y en a un ou deux qui va être pro, et les autres, on leur faisait préparer un truc qui s'appelait le BEP du footballeur, je crois, où en gros, on apprenait à compter jusqu'à 5. Et, bon, c'est un truc qui ne servait à rien. Et souvent, ils étaient rejetés dans la nature après avoir arrêté leur scolarité à 13 ans. Et ils étaient en échec à 17-18. Et ils étaient vraiment mal. Je pense que les clubs ont compris qu'il y avait un vrai enjeu là-dessus, notamment vis-à-vis des parents. Et aujourd'hui, les clubs de foot disent toujours que la scolarité, c'est aussi important que le sport, etc. Honnêtement, si demain, ils ont Lionel Messi qui est nul en maths, je pense qu'ils le gardent. Hein. Mais globalement, quand même, ils les emmènent à un niveau bac. Quasiment tous les gamins qui sont dans les centres de formation, qui présentent le bac l'ont, ils ont des taux de réussite énormes.
Et notamment, on a fait un sujet dimanche dans J plus 1, pour ceux qui l'auraient vu éventuellement à Nancy, où les joueurs sont dans des conditions incroyables parce qu'ils sont à 5 ou 6 élèves par classe. Et parfois, il y a des parents d'ailleurs qui, je sais que ça existe, qui, lorsqu'ils savent que leur gamin n'est pas gardé au centre de formation, qui disent au club, est-ce qu'on ne peut pas le garder au moins un an pour qu'il fasse sa terminale chez vous, parce qu'il va avoir le bac chez vous, alors que s'il repart dans un lycée normal, peut-être qu'il ne l'aura pas. Donc, globalement, il y a vraiment, je pense, une grosse amélioration de la vision du parcours scolaire des apprentis footballeurs. Peut-être pas tous au bac, certains ne peuvent pas, mais en tout cas, de les amener vers quelque chose de qualifiant pour, si jamais ils ne réussissent pas leur carrière, qu'ils ne soient pas complètement à la ramasse. Et dernière question pour ma partie. Est-ce que vous pensez que parfois les médias sont trop présents au risque de donner plus d'importance à l'extra-sportif qu'au sportif ? Non, je crois pas. Non, mais peut-être qu'on peut trouver un exemple ou deux, mais ça, c'est une critique qu'on nous fait, que vont nous faire parfois des gars rasemotte terrain, quoi. Bon, par exemple, parlant les réseaux sociaux où on lit tout et n'importe quoi. Quand on parle, je vous donne l'exemple de l'affaire Aurier, par exemple, les gars nous disent, certains, hein, c'est une minorité, mais ils font beaucoup de bruit, hâtez les poubelles, vous prenez pour Voici. C'est pas faire Voici, télépoubelle. Si on suivait Aurier dans sa vie privée, qu'on mettait des paparazzis, oui, ce serait Voici, mais suivre quelque chose qui est dans l'environnement du club, une prise de parole publique concernant le club, bah, ça fait partie du truc. Voilà. Si on parlait du sport stricto sensu, c'est-à-dire uniquement de ce qui se passe entre la première minute et la 90e, ça, ce serait sans intérêt pour les gens et surtout ce serait une faute professionnelle. Enfin, Canal a créé, s'est créé en 84, l'une des idées c'était de dire qu'un match, c'est pas comme on le voyait à la télé à l'époque, le moment où l'arbitre fait siffle et puis le match commence. Ce sont des histoires avant. Et pour comprendre un match, bah, il faut savoir que tel joueur, il était blessé, il n'était pas sûr de jouer. Finalement, il a joué. Que le 6 avec le 8 en face, ils se sont battus la dernière fois qu'ils se sont rencontrés. Et que donc, ça fait un élément d'histoire dans le match. C'est l'histoire d'un match. Si on comprend pas, si on regarde le dernier Grand Prix d'Abu Dhabi, sans avoir des éléments de compréhension sur l'histoire commune de Rosberg et de Hamilton, il y a plein de choses qui nous échappent, on comprend pas ce qui se passe en fait. Donc voilà, je pense que moi le sport c'est à la fois de la technique, de la tactique, du jeu, mais c'est aussi des histoires humaines. Et moi personnellement, les histoires humaines, elles m'intéressent. C'est pas pour moi faire de la poubelle, je ne sais quoi, les entraîneurs qui disent. J'ai eu René Girard la dernière fois qui dit ah ben il était là, lui il veut qu'on lui parle quoi, de 4-4-2, de 4-3-3, disons il en parle pas non plus. Donc voilà, donc on est là pour parler des humains qui font le foot et on s'interdit en France clairement, contrairement à parfois la presse anglaise, d'évoquer la vie réellement privée des joueurs. Donc je trouve que la presse française a un bon équilibre et une bonne tenue de ce point de vue-là. Simplement, pour finir cette partie-là, j'aimerais revenir sur ce que vous nous avez dit tout à l'heure en petit comité. Une question qui vaut turlupine. Encore une, un peu moins celle-là, mais en gros, sur la programmation des matchs le week-end, est-ce que c'est une simple coïncidence qu'on se retrouve avec des Lorient-Rennes à 17h le samedi et des PSG-Marseille le dimanche, ou comment ça fonctionne, ça, la machine comment... Alors, non, c'est pas un hasard, bien sûr. En fait, c'est simple. Là, on est sous l'égide d'un nouveau contrat depuis le mois d'août. Et ce contrat, il est assez simple en Ligue 1, assez limpide. Canal a les trois premiers choix. C'est-à-dire que Canal prend la liste des 10 matchs, choisit le match du dimanche soir, le match du samedi après-midi et le match du vendredi soir. On a en tout début de saison la possibilité de programmer des top matchs, PSG-Marseille, Marseille-Paris, Lyon-Sainté, par exemple, qu'on choisit en amont ou qu'on place carrément dans la grille au niveau des dates. À des moments qui sont importants pour nous. Par exemple, Monaco-PSG était le premier week-end de septembre, au retour des vacances.
PGOM est traditionnellement toujours début octobre. En période de Noël, c'est des moments d'abonnement, il y a un gros match aussi, voilà, des choses un peu comme ça stratégiques, et surtout des moments où on sait qu'il n'y aura pas de contraintes liées à la Ligue des Champions, puisqu'on ne peut pas faire jouer une équipe le dimanche soir si elle joue en Ligue des Champions le mardi ou mercredi suivant. Donc à part ces choix comme ça au préalable, on choisit donc les trois matchs et on les choisit trois semaines à l'avance. Donc ça nous oblige à faire des paris parfois. Il y a assez souvent des choix évidents, mais de temps en temps, et par exemple puisqu'on parlait de ça, on parlait de Nice, pardon, on a un peu tardé sur la programmation de Nice. On ne savait pas trop si ça prenait vraiment. Il y avait un week-end où il y avait Marseille-Metz ou Nice-Nantes, qui étaient deux affiches à peu près équivalentes. On a dit qu'on a joué la sécurité avec Marseille. Bon, finalement, à l'arrivée Nice, la sécurité d'audience, parce que je vais vous parler après. Marseille, ça a été une purge. Nice a battu Nantes, a pris la tête. C'est sûr que rétrospectivement, ça aurait été mieux de prendre Nice. Là, on a programmé Nice trois fois. On a fait Saint-Étienne-Nice. Nice-Toulouse ce week-end et PSG-Nice le 8, je crois, ou le 11 décembre. Donc là, quelque part, on espère que Nice va rester encore un peu en haut parce que ce serait dommage qu'ils plongent au moment où on les prend. Donc voilà. Donc on fait des choix, on essaie de faire les choix les plus opportuns, sachant que d'une manière générale, de toute façon, il y a une chose qui est simple, c'est que quand vous prenez Paris, vous allez faire une plus grosse audience que tout le reste. Quand vous prenez Marseille au-dessous, un peu moins, mais pas mal. Après, un peu au-dessous Lyon. Et après, tout le reste, c'est pareil en gros, mais très, très, très inférieur. Donc, c'est vrai que les gens, les supporters notamment, parfois nous disent ah, vous faites jamais, pourquoi vous ne faites pas Lorient-Rennes? Bah, parce que quand on fait Lorient-Rennes, il y a 50% des gens en moins qui regardent. Et donc, on essaie quand même de donner à nos abonnés ce qu'on pense qu'ils vont consommer le plus. Donc, c'est vrai que parfois, il y a une. Les gens nous. Il y a une espèce de dogme sur l'audience. Ce serait très mal de vouloir absolument faire de l'audience. Mais si demain moi je fais un restaurant, je vais essayer de faire de la cuisine pour que les gens viennent et soient contents. On va pas me dire t'essayes de faire de la bonne bouffe pour que les gens viennent, hein? Bah ouais. Bah on essaye de faire des bons matchs pour que les gens viennent, pour qu'ils consomment leur abonnement. Si on fait des matchs et que les gens ne les regardent pas, ils vont peut-être se poser la question au bout d'un moment. Tiens, en fait, ça fait 4 semaines de suite que j'ai pas regardé le match. Est-ce que je vais rester abonné? Donc voilà, effectivement, il y a une prédominance des gros clubs, mais qui affrontent les autres clubs, donc les autres clubs sont visibles aussi. Mais encore une fois, à partir du moment où on fait trois matchs dans le week-end, c'est-à-dire qu'il y a 6 clubs qui sont diffusés sur le canal, et puis on a des émissions pour les supporters qui peuvent voir des résumés assez larges le samedi soir, qui ont G+1 pour avoir des histoires dans les clubs plus modestes. Le CFC, c'est vrai, parce que c'est un reproche qui lui est fait, c'est une émission mainstream, c'est une émission grand public, en clair, qui est soumise à une forte concurrence, parce que c'est le dimanche soir, c'est un jour où les gens sont beaucoup devant la télé. On remarquerait que toutes les prises de parole politiques importantes sont le dimanche soir, parce que c'est le seul jour où les gens sont vraiment chez eux. Donc à 19h, il y a énormément de monde devant la télé, et les gens ont la main sur la gâchette, hein, sur le remote control, et dès qu'il y a un moment où ça les intéresse pas, ou ça manque de rythme, ou quoi que ce soit, ils zappent. Donc, oui, le Canal Football Club, encore une fois, est une émission grand public qui est soumise aux pressions des émissions en clair de grand public. Donc, pour faire un sujet sur un petit club, il faut qu'on raconte une belle histoire, par exemple. C'est ce qu'on essaie aussi de faire comprendre au club, en disant PSG Marseille, ça fonctionne tout seul. Si je veux vendre Nice-Toulouse, j'ai besoin de raconter une histoire. Donc, dimanche, là, on va faire un portrait de Favre, l'entraîneur de Nice. Enfin, un portrait, il est allé voir un petit peu en Allemagne, là où il a été élu 3 fois meilleur entraîneur. Voilà, quels sont ses principes, etc. Voilà, on a besoin, sur les clubs qui ont un petit peu moins de notoriété, de raconter des histoires humaines pour que les gens s'intéressent à la chose. Mais c'est notre travail de faire ça. Tout le monde a compris? Parfait. Il y a un terreau, hein, tout à l'heure. C'est bon, Charline, t'as fini? C'est parfait. Merci. Bon, est-ce qu'on peut applaudir Charline quand même pour ce magnifique travail?
Merci pour elle. Donc on va passer à la seconde partie et en transition, donc la seconde partie va porter plus sur le business dans le football. Donc ce monsieur-là, là, Michel Denisot, vous le connaissez sûrement grâce au Grand Journal, donc qui a été animateur du Grand Journal pendant des années, mais ce que vous savez peut-être pas, c'est qu'avant il avait un rôle important dans le football français principalement, donc il était commentateur de football, il a été président du PSG. Et donc c'est typiquement le genre de personne qui a cette double casquette de businessman et en même temps de, pas forcément de businessman mais en tout cas de journaliste, mais qui a ce lien entre l'entreprise et le sport. C'est aussi l'exemple d'une autre personne dans un autre registre, Bernard Tapie, qui lui est plutôt parti du business pour entrer dans le football. Il a été très connu pour ses frasques justement dans le milieu du football. Et c'est un petit peu l'introduction pour la seconde partie justement, qui va commencer donc un peu par tous les problèmes liés à ce lien entre le business et le sport et par tous les scandales sportifs. J'ai rien fait. Hein. Tout à fait, Pierre. Merci beaucoup pour cette introduction. Donc oui, ça va commencer donc sur la partie foot business. Donc Pierre a parlé des relations parfois très étroites entre le monde du business et le monde du football. En prenant l'exemple de Tapie, on pourrait parler également de Berlusconi. Il y a également les scandales à la FIFA récemment, les soupçons autour de l'attribution de la Coupe du Monde 2022 au Qatar, les soupçons par rapport au match truqué. Et ma question serait donc, quelles peuvent être les solutions sur le plan, que ce soit institutionnel, juridique ou bien politique, pour assurer justement un sport éthique à toute épreuve malgré les sommes astronomiques qu'il y a en jeu, quoi. Vous avez 3 heures. Bon, on va déplacer mon train, on va le reprendre demain matin 7h20. Bah, je ne vais pas donner la solution comme ça. Non, ce que je peux dire simplement, c'est que dans le sport, et dans le foot notamment, il y a beaucoup d'argent. Donc les trucs où il y a beaucoup d'argent, ça attire fatalement les embrouilles. Et en plus, il y a beaucoup d'argent avec, on va dire, parfois une porosité avec un milieu. Voilà, ceci explique cela, je pense. Après, dans tout ce que vous avez décrit, il y a plein de problématiques différentes. Alors, je ne sais pas, il faudrait que je les revoie, mais vous avez quoi comme... Par exemple, le scandale à la FIFA. Le scandale à la FIFA. Mais le scandale à la FIFA, le FIFA, c'est une institution énorme qui génère énormément d'argent. Donc voilà, c'est l'une des institutions où il y a eu des scandales, comme il y en a eu dans d'autres domaines. Enfin, pour que ce soit clair, je ne suis pas du tout dans une posture de défense du foot. Hein. Je ne suis pas en train de dire, ah non, le foot, notre bon football qui est agressé. Ce n'est pas ça. Il y a des enquêtes en cours, que les enquêtes aient lieu, que ceux qui ont fait des choses répréhensibles soient sanctionnées. Ça me paraît être le cas sur le tard, mais ça me paraît être le cas aujourd'hui. Voilà. Mais simplement, il y a tellement de possibilités, notamment sur les transferts. Le foot est une espèce de bulle spéculative dans laquelle la valeur d'un joueur, la valeur d'un contrat, parce qu'on parle du marché des transferts, il faut comprendre que le marché des transferts, c'est un marché totalement spéculatif sur la fin d'un contrat à durée déterminée. En fait, hein. C'est quelqu'un qui est en contrat à durée déterminée, contrat de 2 ans, 3 ans, et pour finalement mettre fin à ce contrat à durée déterminée, on verse une indemnité. Et les indemnités montent sur des sommes astronomiques. Donc c'est fou quand vous réfléchissez que le fait de mettre un terme comme ça à un contrat à durée déterminée génère des sommes aussi importante. Donc voilà, il y a des contrôles, mais on est sur une activité mondiale avec des spots dans des paradis fiscaux, etc. Donc je pense que c'est extrêmement compliqué de lutter contre ça. Mais voilà, il faut continuer à le faire. Il y avait peut-être une mesure qui a été prise ces dernières années. Je voulais parler du fair play financier. Est-ce que vous pourriez nous expliquer clairement son intérêt et son application concrète? Parce que c'est encore assez flou, on voit que certains clubs qui sont interdits de recrutement continuent de recruter, que les montants des transferts sont de plus en plus élevés, que la masse monétaire générée par le foot est de plus en plus importante. Donc, quelle est l'application concrète du fair play financier? Alors, le fair play financier, moi, je n'ai pas tout en tête, mais c'est un truc qui a été voulu par Michel Platini, qui l'a fait passer. L'idée, c'était qu'un club ne puisse pas dépenser plus d'argent qu'il n'en génère, en fait.
parce que on a souvent parlé de ça. En France, il y a la DNCG, qui est on va dire un gendarme financier qui vérifie les comptes des clubs de foot. Il faut juste savoir un truc, c'est qu'il n'y a plus d'argent public dans les clubs de foot professionnels, dans les clubs de sport professionnels. Dans les années 80, les Girondins de Bordeaux, par exemple, l'affaire Claude Bèze, où finalement c'était la mairie de Bordeaux qui avait financé entièrement les frasques du président. Depuis ce jour-là, aujourd'hui, il n'y a plus d'argent public. C'est que de l'argent privé dans les clubs de foot. L'argent public peut venir en support de la formation, du prêt des stades, etc. Mais 90% du business est privé. L'idée du fair play financier, c'était de dire... En France, je reviens là-dessus, donc, il y a un gendarme financier qui, en gros, quand un club se met dans le rouge, tire à la sonnette d'alarme et lui demande immédiatement soit d'arrêter de faire du transfert, soit elle le sanctionne avec une descente à la clé. Dans certains pays, il n'y a pas ce gendarme financier. Et les clubs peuvent procéder à des investissements sur de l'argent qu'ils n'ont pas en ayant des dettes colossales. Certains clubs, notamment français, au niveau international, disaient ils appellent ça du doping financier, c'est-à-dire que c'est un peu comme si c'était dopé puisqu'ils dépensent de l'argent qu'ils n'ont pas, alors que nous, on ne peut pas dépenser l'argent qu'on n'a pas parce qu'on est barré. Donc l'UEFA a eu l'idée d'instaurer un fair play financier qui veut dire, en gros, un club ne peut pas dépenser de l'argent qu'il n'a pas. Sachant que c'est extrêmement difficile quand même, parce que dans une équipe de sport, de professionnels, vos actifs, ce sont vos joueurs. Hein, c'est-à-dire qu'en gros, pour que vous compreniez, un club qui aurait par exemple 200 millions d'endettement, vous dites, tu dois 200 millions, mais ils disent, oui, mais regardez mes joueurs, ils valent 100, 150, 300, 400, donc je ne suis pas endetté puisque je peux les vendre éventuellement. Oui, d'accord, mais si tu les vends, tu n'as plus de joueurs, donc tu n'as plus d'équipe. Oui, mais si, parce que j'ai d'autres joueurs. Voilà, donc c'est très difficile de voir quel est le réel degré d'endettement d'un club. En tout cas, donc ils ont instauré ça dans un premier temps, et on s'est rendu compte assez vite que c'était aussi une prime finalement au conservatisme de la situation, puisque les deux seuls clubs quasiment qui ont été touchés par ce fair play financier, ça a été le PSG et Manchester City, qui étaient, on va dire, des nouveaux riches, soutenus et par le Qatar et par Abu Dhabi pour Manchester City, et qui donc ne pouvaient pas investir parce qu'on disait c'est limité, vous ne pouvez pas investir autant d'argent parce qu'on n'a pas le droit de rentrer, de mettre autant d'argent. Et donc eux ont amené l'argument en disant mais en gros, tous ceux qui sont déjà riches restent riches, nous on est des nouveaux riches, on veut des rentrées là-dedans, on ne peut pas. Donc ils ont assoupli les règles du fair play financier. Donc voilà, j'ai pas travaillé le dossier plus précisément que ça, mais globalement, il y a eu un pas en avant, un petit demi-pas en arrière qui était peut-être nécessaire. Ce qu'il faut effectivement, c'est éviter que les clubs fassent n'importe quoi et partent sur des investissements colossaux. Après, il y a très peu de gens qui gagnent de l'argent quand même dans le foot. Hein, je sais plus qui disait ça, mais un jour, on a demandé à un gars... quelle est la meilleure méthode pour devenir millionnaire en achetant un club de foot? Il a dit, c'est d'être milliardaire quand on l'achète. Franchement, il y a très peu d'exemples de businessmen qui ont gagné de l'argent sur un investissement dans le sport professionnel. Parce que quand vous gagnez, déjà, il y a beaucoup de primes pour les joueurs, etc. Il y a même des clubs qui s'assurent contre la victoire de leurs joueurs. Hein. Ça se fait, hein. on s'assure contre les primes qu'on aurait à payer. Par exemple, aujourd'hui, du point de vue purement économique, un club a plus d'intérêt à finir deuxième du championnat de France que premier, parce que deuxième, il est en Ligue des Champions, Gling, et pas champion, donc pas de prime de champion à donner à ses joueurs. C'est un peu le côté étrange parfois du sport. C'est très difficile de... Parce que aussi, c'est et notamment le foot... c'est très aléatoire. Donc aujourd'hui, dans le business, si vous prenez les meilleurs, que vous créez les conditions d'un business parfait, etc., vous êtes comme quasiment sûr de réussir dans le sport, et encore et vraiment dans le foot plus qu'un autre sport, parce que c'est un sport qui génère beaucoup d'incertitudes. C'est un peu mettre de l'argent sur une roulette, quoi. J'ai été long. Hein. Non, parfait, parfait, très bien.
J'avais une question cette fois sur les transferts. Est-ce que vous pourriez un peu nous éclairer en fait sur la répartition entre les différentes parties prenantes lors d'un transfert? Qui récupère quoi? Est-ce que c'est le club ou le joueur? Quelles sont les différentes parties prenantes en fait lors d'un transfert? Alors moi je peux plus vous parler du business de la télé. Hein. Honnêtement, je n'ai pas tous les tenants et les aboutissants de ça. La seule chose que je peux vous expliquer pour les non-initiés, c'est que on entend parfois de manière naïve quelqu'un dire, imaginons un joueur arrive en fin de contrat en 2016, là en juin 2016 il est en fin de contrat et il va re-signer 2 ans, donc les gens naïvement vont dire machin restera dans tel club jusqu'en 2019, il vient de re-signer 18, il vient de re-signer 2 ans, etc. Souvent ça veut dire le contraire en fait. Parce que en fait, la valeur d'un joueur, c'est son talent, son âge et son contrat. Quand vous voulez acheter un joueur sur le marché des transferts, un super joueur qui a 33 ans, par exemple, il ne va pas coûter extrêmement cher. Parce que vous savez que vous l'achetez en fin de vie, entre guillemets. Quoi. Voilà, c'est-à-dire que le gars, vous allez en profiter pendant 2 ans, puis après, vous ne le revendrez pas parce qu'il sera fini. Donc ce n'est pas un investissement, ça peut vous faire du bien sportivement, hein, mais il va vous faire gagner peut-être de l'argent à travers des compétitions, mais pas un investissement. Le joueur recherché, c'est le joueur super bon, à fort potentiel et très jeune, parce que s'il a 21 ans, vous allez non seulement sportivement en profiter pendant 2 ans, mais ensuite, s'il est très bon, vous allez pouvoir le revendre cher. Donc voilà, donc c'est cette spéculation sur le talent futur des joueurs sur lesquels les clubs ont envie d'investir. Et ce qu'ils ne veulent pas, les clubs, c'est arriver avec un joueur en fin de contrat. Parce que s'il est en fin de contrat, je parlais tout à l'heure de la fin des CDD, en fait, hein, c'est ce que le marché des transferts. Un joueur qui arrive, par exemple, en fin de contrat là, en juin 2016, à partir de janvier 2016, en fait, il peut commencer à signer dans un autre club pour zéro, parce qu'il est arrivé en fin de contrat. Donc, alors les joueurs parfois font ce choix-là, hein, parce qu'ils se disent il n'y aura pas de transfert pour m'acheter, et donc l'argent que le club ne mettra pas sur le transfert, ils vont éventuellement me le donner en prime à la signature. Donc, mais par contre, c'est un risque à prendre si le joueur se blesse au mois de mai, il se retrouve sans club. Donc c'est un risque à prendre ou pas. Et ce qui se passe assez souvent, imaginons que vous avez un jeune joueur, j'espère que c'est clair, hein, c'est un peu technique, hein, pardon, mais vous êtes en même temps des gens de l'école de commerce, donc vous êtes très intelligent. Imaginons un jeune joueur qui a 21 ans, qui a un petit contrat en foot, qui est payé 20 000 euros, on va dire, un smicard, et qui fait 6 mois extraordinaires. Lui, au bout de 6 mois, il va vouloir il est sous contrat jusqu'en 2017, par exemple, il va vouloir une augmentation. Donc son agent va aller voir le président, il va dire écoute, mon joueur, il est payé 20 000 euros, t'as vu, il est devenu un joueur majeur, c'est pas possible, il faut le passer à 80 000. Ouais, les augmentations, c'est assez. C'est pas 5%. Hein. Donc le président va dire ok. On le passe à 80 000, mais contre une prolongation. C'est-à-dire qu'au lieu d'être sous contrat jusqu'en 2018, il va être en contrat jusqu'en 2021. OK. Donc comme ça, il a un nouveau contrat où lui, il gagne plus. Il a un contrat plus long. Ce qui veut dire que... Mais ils peuvent se mettre d'accord, mais en juin, tu partiras. Sauf qu'un club qui veut l'acheter va acheter plus cher, va devoir dépenser beaucoup plus d'argent un joueur qui est sous contrat jusqu'en 2021 quelqu'un qui est au contrat jusqu'en 2018. Donc voilà, donc c'est de la négociation comme ça. Le joueur ou le club parfois se mettent d'accord sur une prolongation pour faire passer une augmentation avec accord d'un départ plus tard. Il y a aussi le rôle de plus en plus croissant des agents, j'imagine. Et alors les agents, pour répondre à votre question, se payent sur la bête. Comme un agent, il prend, je ne sais pas, moi je ne connais pas, je pensais 10 ou 20%, je ne sais pas. Alors effectivement, un agent, en théorie, a intérêt à ce que son joueur bouge, puisque plus il bouge, plus il y a de transferts, donc plus il y a de la commission. Mais en même temps, un agent intelligent a aussi intérêt à ce que son joueur ne se grille pas, fasse des choix de carrière cohérents,
Il ne fasse pas n'importe quoi, parce que s'il bouge trois fois en trois ans et qu'il plonge et qu'il a perdu sa pépite. Donc il y a aussi des agents intelligents qui disent ton intérêt, c'est de te stabiliser là, c'est de rester là encore deux ans. Voilà, donc il y a parfois des agents qui sont de bons conseillers. Il y a un peu de tout, comme dans tous les métiers. D'accord, très bien, merci. Et je voulais parler par rapport à la compétitivité de la Ligue 1 par rapport aux autres championnats européens. Et que pensez-vous des propositions du syndicat Première Ligue, donc qui a été notamment, c'est une idée de Jean-Michel Aulas, avec d'autres présidents bien sûr de clubs, 19 autres présidents de clubs de Ligue 1 sont dans ce syndicat Première Ligue. Et donc que pensez-vous de ces propositions pour faire de la Ligue 1 un championnat aussi compétitif que la Première Ligue en termes économiques ou bien sportifs ? Bon, ça c'est un sujet un peu sensible. Pour juste décrypter le truc, il y avait un syndicat des clubs qui s'appelle l'UNFP, qui était représentant de tous les clubs professionnels, c'est-à-dire Ligue 1, Ligue 2. Il y a eu à un moment donné une fronde, pour résumer grossièrement, mais ça, je pense que ça va être assez clair. Parce que je vais vous donner, c'est là que j'ai sorti mon cahier magique. En fait, aujourd'hui, les droits de la Ligue 1 français, c'est 726 millions d'euros, plus 22 millions d'euros, donc 700, en gros 50 millions d'euros, donc 22 millions d'euros redistribués à la Ligue 2, ponctionnés, on va dire, pour la Ligue 2. Petite parenthèse aussi, il y a la taxe Buffet, donc instaurée par Marie-Georges Buffet, qui ponctionne aussi les droits du foot pour les sports olympiques. Et donc, sachez quand même que globalement, tout le sport olympique vit sur les droits du foot, indirectement, hein, grâce à cette taxe. Donc, quelque part, plus les droits montent, mieux c'est pour les petits sports. Je peux dire que les petits sports, quand ils voient les droits du foot qui montent, ils sont plutôt contents parce qu'ils savent qu'ils vont récupérer. Je crois qu'elle est de 5%, mais je ne suis pas sûr. Voilà, fin de cette petite parenthèse. Donc, en gros, les droits de la Ligue 1. Donc, en gros, il y avait les clubs de, pour résumer grossièrement, les clubs de Ligue 2, trouvaient que sur l'argent, et les petits clubs de Ligue 1 trouvaient que sur l'argent dépensé, sur les 750 millions d'euros, ils n'en avaient pas assez. Et les clubs plutôt d'élite, les meilleurs, disent ah ben non, on a ras-le-bol de vous donner notre argent, parce que c'est pour nous que les télés payent, pas pour vous, donc on préférait vous en donner moins. Donc ils se sont un peu entre-déchirés. Et en gros, il y a une fracture entre les clubs de Ligue 1 moins 1, Guingamp, et les clubs de Ligue 2. Des clubs de Ligue 1 moins 1 ont créé Première Ligue, et les autres sont restés à l'UCPF. Et donc, ils se sont frités pendant des mois et des mois sur ce thème-là. Je vous passe les détails. Au bout d'un moment, ils se sont également frités entre eux dans Première Ligue. Donc, certains ont quitté Première Ligue. Et donc, en gros, pour résumer, il y a toujours une bataille de ceux qui ont des aspirations européennes et qui trouvent qu'ils sont plombés par le bas, qu'il faudrait leur donner plus d'argent pour pouvoir faire le match avec le Real, Barça, Manchester, etc. Et il y a ceux au-dessous qui disent c'est un mauvais calcul, plus le championnat sera fort, plus la répartition sera équilibrée, plus le championnat sera fort, et plus ça fera progresser tout le monde, et donc y compris les premiers. Donc voilà, donc là ils se sont un peu arrachés là-dessus et ils sont arrivés à un accord sur la répartition des droits entre eux, sachant qu'ils vont aller vers un peu plus d'équilibre, semble-t-il, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est-à-dire que si vous donnez tout l'argent aux premiers, ils vont prendre tous les meilleurs joueurs, y compris ceux qui ne feront pas jouer, qui mettront sur le banc, et tous les autres n'auront aucun bon joueur. Et donc il y aura l'Espagne, par exemple, à rééquilibrer ses droits. Il y avait l'Espagne, il y avait le Real et le Barça qui dominaient très largement. Ils ont fait un rééquilibrage des droits entre les uns et les autres. Le Real et le Barça touchent beaucoup plus, mais ils ont rééquilibré. Et aujourd'hui, ils ont un championnat, on va dire, d'une meilleure valeur globale. Voilà. Ce qu'il faut savoir quand même, c'est qu'aujourd'hui, donc, la Ligue 1, c'est 750 millions d'euros. Le nouveau contrat de la Première Ligue, c'est 2,3 milliards. Et par exemple, la Première Ligue anglaise donc, génère sur le marché étranger 900 millions d'euros, donc à l'étranger plus que la Ligue 1 dans son propre pays. Et sur les dotations de clubs, par exemple, il est utile, hein, mon petit cahier,
En 2016, par exemple, le champion de Ligue 1, Paris, a eu 45 millions d'euros de droits télé. Le champion de Première Ligue, 210 millions d'euros. Et le dernier de la Première Ligue, qui est descendu donc en deuxième division anglaise, 135 millions d'euros. Donc quasiment le triple du champion de France. C'est vrai que c'est un marché, le marché du foot est un marché extrêmement international, avec en plus une main-d'œuvre très mouvante et très internationale, puisque vous pouvez ne pas parler la langue et aller jouer le lendemain sur le marché du travail. Donc c'est des problématiques compliquées. Et donc les clubs français se sont mis d'accord sur plusieurs critères. Nous, on donne l'argent et puis ils se le partagent comme ils veulent. Hein. Mais il y a plusieurs critères. Il y a la notoriété du club, c'est-à-dire son classement sur les 5 dernières années. Plus on est valorisé dans le passé, plus on est un grand club, en gros, plus on va avoir touché, plus les résultats, le classement final. Et puis également les passages télé. Plus on est télévisé, plus on a de l'argent. Je vais conclure là-dessus, même si je pense que c'est des problématiques en tant qu'étudiant en commerce qui vous intéressent, mais pour dire que la grande question qui se pose pour le foot, pour les foot européens, c'est la question des ligues fermées. C'est-à-dire que les sports américains sont organisés en ligues fermées. Il n'y a pas de descente, c'est des franchises. Et ce qui est étrange d'ailleurs, c'est qu'ils ont finalement une sorte d'organisation assez communiste, entre guillemets. Je vous explique pourquoi je dis ça. C'est que les drafts, c'est les derniers, ceux qui ont été derniers, se servent en premier sur la bourse aux échanges des joueurs. Donc c'est une logique de rééquilibrage, on va dire. Alors que dans le sport européen, le premier touche plus d'argent, donc prend les meilleurs joueurs et a des chances de rester premier le plus longtemps possible. Et donc aujourd'hui, les industriels qui mettent de l'argent dans le foot sont terrorisés par l'accident industriel, la descente, et se dire que s'ils descendent, ils sont vraiment financièrement en grande difficulté. Donc ils ont la tentation d'une ligue fermée où il n'y aurait plus de descente. Mais bien sûr, ceux qui sont au-dessous ne pourraient plus monter, donc ils ne sont pas d'accord, hein, c'est logique. Et puis le public sportif en Europe n'est pas prêt à ça, à mon avis. Voilà, j'ai été long, j'arrête. Mais les questions étaient complexes. Dernière question du coup pour cette partie concernera plutôt l'essor du e-sport, donc tout ce qui est les championnats en ligne de FIFA ou League of Legends par exemple. On voit que des clubs comme Aston Villa, le PSG, Nantes, Monaco ont investi dans le e-sport. Est-ce que c'est selon vous un investissement de long terme indispensable pour les clubs de foot qui souhaitent préparer le futur, ou bien est-ce qu'il ferait mieux de se consacrer davantage à la formation, à l'encadrement ou aux investissements dans des infrastructures? Et simplement, pour vous tenir au courant, dans cette salle, il y a le champion de France de FIFA. Ah! Qui est celui-là et celui-là. Bravo! C'est bien, FIFA. Hein. Bon jeu, FIFA. Hein. Après, champion de France par équipe aussi. Hein, c'est... Ah ouais? Bon. C'est naze. Non, mais alors, franchement, je pense que j'en sais rien. Mais j'imagine que c'est un domaine qui est plein d'avenir. Enfin, c'est aujourd'hui le premier bien culturel en France, c'est le jeu FIFA. Je pense que vous êtes jeunes, vous devez tous jouer aux jeux vidéo dans une très grande majorité. Donc, je ne suis pas étonné qu'il y ait un marché. Sur l'investissement, je pense que c'est des sommes qui, pour... dans l'économie d'un club de foot, sont pas très importantes. Le PSG a constitué une équipe de e-sport. Ils ont pris les meilleurs joueurs sur le marché, mais c'est des sommes, c'est le prix d'un stagiaire pour un footballeur pour l'instant. Donc voilà, je comprends qu'ils se positionnent sur des activités comme ça qui semblent être d'avenir. Après, le e-sport, c'est pas que la simulation de foot, c'est effectivement League of Legends, tous les jeux de combat, etc. Clairement, il y a, si j'en crois, je ne connais plus le terme là, qui consiste à regarder des joueurs qui jouent. En streaming, ouais, peut-être. Non. StreamView. Non, le fait de regarder des joueurs jouant, en fait. Vous regardez un joueur qui fait un combat. Même toi, tu ne sais pas ça? Bon. Il n'a pas d'idée. Bon, bref, c'est un marché énorme. Les gamins, ils passent des heures et des heures à regarder ça. Voilà. Je pense que... Moi, je ne suis pas très bon, mais j'ai passé l'âge. Très bien, je vous remercie. C'est tout bon pour moi. Merci à Loïc. Maintenant, avant de passer à l'autre partie, on a prévu un petit jeu et on aura besoin de vous dans la salle.
On aurait besoin de deux personnes qui connaissent un peu le football et qui seraient aptes à répondre à des questions. On a ici le capitaine de l'équipe des Blue Eagles, Aurélien, s'il te plaît. Oui, merci. Voilà. Et deuxième personne. Si tu veux. Un des deux là. Issa ? Tu veux qui ? Choisis. Hein. Nico, tu choisis, tu prends la responsabilité. Il n'y a pas de fille alors, si j'ai bien compris. Hein. Ah, c'est si tu veux. Roman, si tu veux. Ah, Roman. Tu pourras jouer avec Monsieur Matou, si tu veux. Roman. Donc là, vous avez le capitaine de l'équipe de football. Prenez une photo, prenez une photo. Et Roman Morel, qui fait partie de l'équipe de foot féminin de l'école. Très brillante, il paraît, d'ailleurs. Donc, Roman. Donc les deux, vous allez vous installer ici. Et donc, vous allez former une équipe. Et en face de vous, vous aurez le plus grand spécialiste football de France. Enfin, je suis en danger, là. Hein. Voilà. Vous pouvez vous mettre un peu plus près, si vous voulez. Comme ah, vous d'accord, voulez. J'ai cru qu'il fallait libérer l'écran. Allez-y, oh, allez-y. Ah, je suis seul contre deux. C'est ça, ouais, exactement. Ah ouais, le combat est inégal. Et donc, on vous a prévu 5 questions. Ouais. Ce sera à la rapidité. À la rapidité. Bon, après, c'est pas des questions hyper fastoches non plus. Hein. Bon, je vous préviens, je suis excellent. Hein. Ouais. Donc, la première question est la suivante. Quel est le meilleur buteur actuel du championnat italien ? Oh putain, une réponse. Je t'avoue que je fais plus le foot étranger, donc je regarde beaucoup moins, je sais même pas. Côté gauche, j'ai du Higuain. Non, on n'y croit non, pas. C'est pas Il joue à l'AS Rome. Ça compte pas, donc. Hein, Icardi, ça compte pas. Donc ça comptera zéro, mais la réponse peut-être. C'est Edin Dzeko, c'est ce monsieur-là. Dzeko, d'accord. L'attaquant Dzeko. De la Roma. Ok. Je l'avais. L'ancien attaquant de Manchester City qui joue maintenant à la Roma. Ouais. Voilà, c'est pas terrible hein, le niveau là. Non, c'est vrai. La question 2. Quelle est la meilleure attaque Monaco, d'Europe actuellement Monaco. Ah, putain. Ça vient de la part d'Hervé Matou. 1-0 pour Hervé Matou. Est-ce que vous pouvez arrêter de lui souffler les réponses, s'il vous plaît c'est... Monaco, c'est le blason de Monaco. Là, c'est la réponse, tout à fait. Non Et 2-0 non. La troisième question. Donc, quel club accède en 2008 à la Ligue 1 et relégué en 2010 en Ligue 2 puis rétrogradé en CFA. Auxerre. Grenoble. Et c'est Grenoble. 2-0. 2-0. 2-0. Ah oui, ouais. Non. C'est la piquette. GF38. Donc 2-0 pour Hervé Matou. Il vous reste encore une question. Deux questions. Ouais, c'est vrai que deux questions. Plus un, trois. Je faut prendre du recul. J'ai du mal à lire, je suis trop près là. Ok. Ouais. Si vous voulez monter, il n'y a pas de. Vas-y. Donc. Question 4. Quel champion du monde 98 a été joueur de ce club ? Donc du GF38 de Grenoble. GF38 Djorkaeff ? Non mais avant ça, c'était pas le GF38, mais il était à Grenoble. C'est Djorkaeff. Ouais, formé à Grenoble, passé par Grenoble. Donc c'est ce monsieur-là. Mais c'était pas le GF38. Ça s'appelait pas comme ça à l'époque ? Je crois pas, non. Ah merde. Mais c'est pas grave, ça compte quand même. Ça, hein, voilà, ouais. Ça compte, bien sûr. Aurèle, quand tu veux. Hein. Comment ? Quand tu veux, hein, si tu veux. Là, c'est bon, je me mets dedans. Vas-y. La question 5. Je suis attaquant, célèbre français, champion d'Europe. Ouais. J'ai commencé ma carrière en France et j'ai connu pas moins de 15 clubs. Marcel Desailly. Non, ça peut être Wilter, ça peut être... Il y en a plein. Hein, Qui ça ? Non, Trezeguet, non. Trezeguet, il n'y a pas 15 clubs. 15 clubs, non, c'est pas Trezeguet. Non, Gravelaine, il n'a pas été champion d'Europe. En France, je ne connais pas moins de 15 clubs. Anelka, c'est la bonne réponse pour Aurélien. Merci. C'est vrai. C'est lui. C'est ce monsieur-là. Bon, bah, c'est fini. Hein. Bah, j'ai gagné alors. Hein. Donc, la victoire 3-1 pour monsieur Hervé Matou. Hein. Bravo à lui. Aurélien, je propose que tu sortes de la salle et que tu reviennes plus jamais à l'école. Voilà. Est-ce que ça a pas trop marché ça. Est-ce que ce jeu vous a plu, monsieur Hervé Matou ? C'est assez stressant en fait parce qu'on se dit si je ça me revient pas tout de suite, je vais passer pour un con et un peu quand même. Hein. Finalement, ça a été.
Bon, donc voilà, donc maintenant c'est autour de Nico Chabot de vous parler du sport. Tiens. Merci Pierre. Merci aussi. Donc on va parler un peu de sport pour mes amis du BDS qui n'ont pas dû comprendre ce qui s'est passé avant. On va commencer par nos amis de l'équipe de France 98. Tout ça pour introduire que pour nous, je pense, amoureux du sport, 98, ça reste l'épopée fantastique. Vous étiez nés donc tous. Il avait 15 ans à l'époque. D'accord. Je suis le plus vieux de l'amphi, il faut le savoir. Non, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, on a une nouvelle génération qui arrive vraiment au pouvoir, je pense, menée par le grand gourou Didier Deschamps. J'aimerais que vous nous parliez un peu de cette génération, de l'apport de Deschamps sur le groupe, ce que vous en pensez. Voilà, vraiment de cette nouvelle génération. Alors, bon, je pense que le débat sur le lobbying 98, etc., moi, je pense qu'il n'y a pas franchement de lobby organisé 98. On se rend compte, quand on regarde cette équipe, que certains ont réussi dans les médias. Je regarde... Bon, les Arezzo dans les médias, Barthez un peu partout, Deschamps sélectionneur, Djorkaeff en attente de la République, Carambeu un peu partout, Zidane entraîneur, De Sailly dans les médias, Leboeuf dans les médias, Thuram non, Emmanuel Petit dans les médias, et Guy Varche en Bretagne. Donc non, mais globalement, ils ont à part Deschamps, aucun n'est dans les structures fédérales, par exemple. Enfin, il y a Diomède qui est aujourd'hui dans les structures fédérales, qui n'est pas sur la photo. Voilà, c'est en même temps logique. C'est une génération qui arrive en 40-45 ans. Donc voilà, c'est normal qu'ils trouvent une place dans le foot au sens large. Mais pour moi, ils ne sont pas spécialement organisés pour prendre le pouvoir comme on leur a prêté l'envie. À un moment donné. Alors Deschamps, c'est l'un des clairement des leaders de ce groupe. Il faut savoir quand même qu'on imagine toujours une équipe qui a gagné ensemble comme ça, comme une grosse bande de copains, tout le monde s'adore, etc. Bon, c'est pas le cas. Ils s'entendent bien, mais il y a quand même aussi des tensions, il y a des affinités les uns avec les autres. Voilà. Donc Deschamps ne fait pas l'unanimité affective. De tous ses copains, mais en même temps, voilà, c'est un leader naturel qui était vu comme tel dans l'équipe déjà à l'époque, et qui tout le monde savait qu'il serait un jour et entraîneur et sélectionneur national. Donc globalement, il est dans une phase de réussite qui me paraît assez incontestable. Et du coup, concernant la nouvelle génération, je pense au Martial, au Coman, au Pogba, au Laporte, et j'en passe certainement. Est-ce que vous pensez que ça peut être la nouvelle génération dorée de l'équipe de France? Contrairement à la génération 87, pour laquelle on en a fait des tonnes, Nasri, Menez, et qui n'ont jamais réellement réussi en équipe de France. On verra. Dans ceux que tu as cités, ils ne sont pas tous au même stade. Entre Coman et Laporte, il y en a un qui est plus avancé que l'autre. Franchement, c'est difficile. Les générations, elles se succèdent de manière très proche. C'est deux ans, entre guillemets, de génération. Donc, il y a parfois des sauts de génération. La génération des champions de moins de 19 là, de cet été, et très doués, avec des gens très bien, paraît-il. Je ne les connais pas tous. Donc peut-être que certains vont aller très vite et dans 3-4 ans seront déjà en équipe de France aussi. Voilà. Il y a en tout cas un réservoir dans le foot français qui me paraît assez intéressant. Après, qu'est-ce que cela va donner? Quelles seront les trajectoires individuelles des uns et des autres? Il y a tellement de critères. Ils vivent des destins compliqués. Là aussi, je reviens sur le. On est un peu sévère parfois avec ces jeunes joueurs, parce que personne n'est préparé un à la célébrité très rapide et deux à des rémunérations aussi rapides et aussi puissantes. C'est-à-dire que pour n'importe qui, gagner subitement à 20 ans. En un mois, ce que votre père ne gagnera pas dans sa vie, c'est fatalement. C'est des soucis que j'aimerais bien avoir, hein, mais c'est quand même un truc qui est déstabilisant pour qui que ce soit. Donc, c'est pas illogique que parfois ils pètent un peu les plombs et qu'ils aient du mal à vivre ça. Je comprends. Vous avez parlé de réservoir. Je suis assez d'accord sur le principe. Sauf peut-être concernant le poste de latéral en équipe de France, on voit qu'on a du mal à remplacer Bakary Sagna, Patrice Evra.
On a des jeunes comme Kurzawa, Sébastien Corchia, Sidi B, mais qui ont du mal vraiment à s'affirmer. Qu'est-ce que vous en pensez ? Pourquoi ce poste-là pose problème en équipe de France ? Je n'en sais pas. J'en sais rien. Je fais le constat effectivement que les passements de génération se font difficilement. Que Kurzawa, même s'il a pris la place, finalement, on se rend compte que Evra revient vite dès qu'il est blessé. Que Sagna, l'air de rien, c'est sauf ces dernières semaines, enfin globalement un titulaire en puissance à Manchester City, donc c'est pas non plus un naze. Voilà, Sidi B fait une bonne entrée, mais parfois aussi montre qu'il a encore besoin de temps. Pourquoi il y a ce sentiment de trou entre guillemets sur le poste de latéral ? J'en sais rien, c'est plutôt même surprenant parce que c'est un poste, je trouve, beaucoup plus valorisé qu'il y a quelques années, enfin, il y a 15 ou 20 ans. C'est un poste intéressant aujourd'hui, avec beaucoup de travail offensif notamment, donc qui devrait attirer plus de joueurs qu'il ne l'attirait il y a 25 ans. Donc voilà, mais je ne sais pas. Merci. Pardon. Là, j'ai mis une petite photo d'une équipe possible des moins de 23. Ah ouais, donc c'est quand même un truc qui a de la gueule, je pense. Ouais. Enfin, moi, en tout cas, ça me plaît. Et je pense que cette génération peut faire quelque chose avec des Dembélé, des Martial, des Fekir, notamment. Qu'est-ce que vous en pensez de cette équipe ? Bah, c'est pas mal, ouais, c'est pas mal. Tolisso, à ce poste-là, en piston droit, là, parce que c'est un 4-2-3-1. Je ne suis pas sûr qu'il puisse jouer latéral droit dans un 4-2-3-1. C'est pas son poste de prédilection, on va dire. Hein. Il préfère être 8 ou voire même 10. Derrière Martial. Cette équipe elle est pas mal, ouais. Elle est pas mal. Et concernant le leader technique de l'équipe de France, est-ce que vous pensez qu'actuellement Griezmann n'a pas pris le pas sur un Pogba dont on parle beaucoup plus, enfin dont on a beaucoup plus parlé, et aujourd'hui est-ce qu'il ne se situe pas en Griezmann le leader technique de cette équipe ? Je pense que il n'y a pas de ni Pogba ni Griezmann ne sont des leaders comme pouvaient l'être Zidane ou Platini. Voilà, Pogba est un super joueur et surtout un super potentiel, mais un joueur encore jeune, on va dire, et qui génère beaucoup de buzz, de business, etc. Mais qui est un buzz ou un business qui est surdimensionné par rapport à ce qu'il a donné pour l'instant sportivement. Et Griezmann est un super joueur. Mais encore une fois, il y a la dimension médiatique et la dimension sportive. Griezmann, je pense qu'il vit ça avec plutôt pas mal de contrôle, mais Griezmann, il plaît aussi pour des raisons autres que sportives. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne le mérite pas, hein, mais je suis en train de dire que c'est aussi un beau gosse. Ouais, c'est-à-dire que on est dans un truc global de business aussi. Voilà, si Griezmann il était petit, bossu et chauve, il n'aurait pas l'aura qu'il a. Les gens s'identifient à lui, il est sympa, donc ça joue. Voilà. Mais aujourd'hui, je pense que ni aucun de ces deux n'est le vrai leader technique de l'équipe. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas importants, ils sont super importants dans l'équipe, mais il n'y a pas de patron de vestiaire aujourd'hui encore dans l'équipe de France, à part Deschamps. D'accord, mais je parlais plus au niveau leader technique de l'équipe. Après, il y a Dimitri Payet aussi, un petit peu moins en retrait, mais qui reste un super joueur. Ouais, mais voilà, là, on parle de joueurs qui ont des postes différents. Donc, pour moi, Pogba, ce n'est pas un créateur de jeu. C'est le problème de Pogba, je trouve, peut-être, c'est qu'il est, est trop doué pour être un 6, quelque part, et peut-être pas assez doué pour être un 10. Donc on attend de lui qu'il fasse des... Et lui-même croit qu'on attend de lui qu'il fasse des choses exceptionnelles. Il gagnerait à ce qu'il a déjà commencé à faire, à simplifier son jeu, à s'assumer comme un joueur finalement qui est capable effectivement de gris-gris technique, etc., mais qui ne doit pas prendre qui doit pas sauver la France, quoi, en gros. Et plus il sera dans cette idée-là, plus il sera efficace. Et Griezmann, il a atteint un niveau que je pense qu'on ne lui soupçonnait pas, hein, parce qu'il y a 2-3 ans, personne ne le voyait atteindre ce niveau. Aujourd'hui, c'est un joueur remarquable. Voilà, s'il continue comme ça, il va rester dans cette trajectoire haute. Mais tout ça est toujours très fragile. Et le sport de haut niveau, c'est impitoyable. Vous voyez la manière
là on parle de l'équipe de France, des 11 meilleurs, enfin des 15, 16 meilleurs, dès que vous avez un petit coup de mou, voilà, il y en a un qui vous passe devant, Fekir, tu l'as mis, mais Fekir, il y a un an, tout le monde en parlait comme la merveille, et moi aussi, on avait trouvé notre Léo Messi. Aujourd'hui, il est au fond du trou, et peut-être que dans 6 mois, il sera au sommet, donc c'est extrêmement compliqué. Merci beaucoup, et on leur souhaite plein de bonheur. Sur le bouton noir. Non. Ah, si. Ah, voilà. Mes copines aussi du BDS m'ont demandé d'en parler un petit peu, donc ouais. Du foot féminin. Ouais. Le rapport à l'équipe de France féminine, qu'on voit un peu en retrait sur certaines nations comme les USA, le Canada, l'Allemagne. Pourtant, sur le papier, on a quand même une super équipe avec des clubs qui fonctionnent bien. Pourquoi on n'arrive pas à franchir ce cap au niveau du foot féminin, selon vous ? C'est, là aussi, c'est difficile pour moi de savoir pourquoi. Je pense qu'elles sont passées à côté de quelque chose d'énorme lors de la Coupe du Monde en Allemagne et puis les Jeux. Pourquoi elles ne l'ont pas fait Je crois qu'il y avait manifestement des problèmes de vestiaire et de management, en tout cas. Ce n'était pas un groupe extrêmement uni. Avec Bergerot, non plus. Il y avait des tensions. Donc elles sont pas loin, mais en même temps, voilà, il leur manque toujours le petit truc pour décrocher le titre. Là, il y a les jeunes qui sont en train de briller, qui ont brillé à la Coupe du Monde des moins de 19, c'est ça ? C'est ça. Qui vont arriver un petit peu à maturité avec le championnat d'Europe. Donc ça, plus celle qui reste de l'équipe actuelle, ça devrait quand même donner une équipe de France très sympa. Donc voilà, moi je pense qu'elles sont dans les 5 mondiales, mais pour entre c'est comme au tennis, entre 5 mondiales et 1 mondial, plus les marches sont les dernières, plus elles sont difficiles à franchir. Ce que je constate quand même, c'est que c'est quand même le boost sur le foot féminin qui est quand même. Il y a eu un avant et un après Coupe du Monde allemande. Aujourd'hui, les matchs de l'équipe de France à enjeu génère quand même des audiences intéressantes. Il y a quand même une médiatisation qui n'a rien à voir avec ce qu'il y avait il y a 10 ans. Donc voilà, la Ligue des Champions. Ce qui manque encore aujourd'hui au niveau des clubs, c'est des championnats compacts. C'est-à-dire qu'en première division féminine, il y a encore des 14-0. Voilà, il y a trop de déséquilibres entre en gros Lyon, Paris et le reste, quoi. Mais voilà, tout ça est en train de monter en puissance et je pense qu'il y a un très bel avenir sur le foot féminin. Ouais, on voit également des scores fleuves en Ligue des Champions avec Lyon qui met des 8-9-0. Donc c'est oui, parce que voilà, les sports, c'est quand même une pratique qui est un peu nouvelle à ce niveau-là. Donc les clubs sont à des stades différents de développement. Et donc aujourd'hui, vous avez quand même des mastodontes qui peuvent empiler les meilleures joueuses avec des statuts pro. Alors que vous avez en Ligue des Champions des clubs encore carrément amateurs, donc fatalement ça fait des gros déséquilibres. Merci beaucoup. Donc c'est un peu un sujet d'actualité et votre ami Pierre Ménès a un avis assez tranché sur la question, c'est-à-dire qu'il s'en fiche. Vous, le Ballon d'Or, qu'est-ce que vous en pensez et notamment sur le retour à l'ancien format, est-ce que vous avez un pronostic ou un joueur que vous aimeriez voir récompensé? Alors, je ne vais pas être comme Pierre, mais pas loin. Je trouve que ça prend trop de place dans les débats. Dès qu'un gars marque 3 buts, alors est-ce qu'il va être Ballon d'Or ? Bon, c'est bien le Ballon d'Or, c'est une institution. Moi, je suis plus intéressé de savoir qui va être champion, qui va être champion d'Europe, qui va être champion du monde, qui va être Ballon d'Or, surtout que c'est toujours les mêmes, hein, en plus. Mais donc voilà, ce qu'a voulu dire Pierre, c'est que je pense à l'Agace, qui est cette espèce d'obsession de la performance et de la récompense individuelle, alors que le foot, c'est avant tout un sport collectif. Voilà. Après, bon voilà, cette année, ça va être Ronaldo, puisqu'il a gagné la Ligue des Champions et l'Euro. Donc voilà, une fois c'est là, une fois c'est l'autre. Tant qu'on sera, et c'est une chance hein, d'avoir ces deux joueurs contemporains, mais tant qu'on sera dans cette espèce de jeu à deux, ça perdra un peu l'intérêt. On comptera à la fin qui en a eu le plus. Je pense que ce sera quand même Messi, a priori. Et puis après, on rentrera dans un nouveau cycle. Quoi. Mais voilà, mais bon, je ne trouve pas ça non plus, effectivement, très un sujet qui mérite d'y passer des heures.
Vous avez parlé de Pierre Ménès, comment va-t-il d'ailleurs? Parce qu'il n'est plus présent sur les plateaux depuis quelques temps. Oui, Pierre effectivement a fait la première émission cette année, mais en se forçant à venir, et puis finalement, aujourd'hui, il n'est pas en mesure de venir. Il est malade, il va être opéré prochainement, on espère le retrouver très vite, ça va prendre un peu de temps. Je lui laisse mettre de sa volonté de communiquer sur son état de santé, mais voilà, je communique par SMS régulièrement avec lui, il va bien, mais il n'est pas apte à travailler aujourd'hui pour l'instant, en ce moment. Quoi. Et toujours sur ce sujet-là, excuse-moi Nico, Pierre Ménès, c'est quand même une personne qui a un caractère particulier, une personnalité très forte. Nous, plus tard, on sera sûrement amené à être manager et à gérer ce genre de personnes-là. Comment on gère ça? Vous êtes un peu le manager du Canal Football Club, je pense. Comment on gère ce genre de personnalité-là? C'est pas facile, effectivement. Je pense qu'il faut aussi accepter de ne pas manager. On peut pas manager de manière générale. Chaque métier se manage de manière différente. Si vous managez une rédaction comme une banque, vous allez dans le mur. Et réciproquement. Donc déjà une rédaction, on s'en parlait de Pierre, une rédaction, ça se manage de manière propre à ce que sont les journalistes, avec une hiérarchie qui est plus dans la parole, plus libérée, plus d'échanges, on peut s'engueuler, etc., avec son N+1, avec son N+2. Voilà, c'est différent, je pense, que dans certains métiers. Et puis, manager aussi des consultants. Par exemple, quand vous devez briefer Zidane ou Dugarry, puisque Zidane a été consultant chez nous, lui dire là, tu aurais pu faire ça mieux, comme ci, comme ça. Voilà, il faut le faire. Vous ne faites pas ça comme le clampin du coin. Quoi. Donc voilà, c'est partie des difficultés du métier. Pierre et d'autres, il faut aussi une forme de lâcher prise. Voilà, il faut aussi Pierre, de toute façon, il est avec nous pour sa liberté de parole. Ça sert à rien de le prendre si c'est pour le dire. Tais-toi, attention, faut te brider. Donc il faut accepter en tant que présentateur, pour le coup, d'être pas responsable de toute la parole qui est dite dans l'émission. La parole validée par Canal, c'est la mienne. Il faut que je sois attentif à ce qui se dit pour s'il y a du dérapage, contrôler, recadrer, etc. Mais il faut aussi accepter que la parole m'échappe un peu, sinon il se passe rien. Merci beaucoup. Je peux reprendre? Merci. Donc on va aborder maintenant un peu ce qui correspond à votre cœur de métier. Donc c'est vraiment quand même l'analyse de la Ligue 1 avec le CFC. Prioritairement. On a aujourd'hui des clubs comme le PSG, Monaco qui ont été rachetés avec des investisseurs, Marseille aussi, et on parle de Lille. Est-ce que vous avez pas peur d'une Ligue 1 à deux vitesses, comme c'est déjà un peu le cas, mais que ça s'aggrave, ou qu'au contraire, les gros tirent les petits vers le haut? Il vaut mieux une Ligue 1 à deux vitesses qu'une Ligue 1 au point mort, déjà. Si depuis 3 ans, il n'y avait pas eu Paris... prioritairement, on se serait quand même ennuyé ferme parce que voilà, c'est quand même avoir un club fort que les autres défient, c'est quand même un atout. Après, c'est vrai que un spectacle sportif, c'est mieux sur une dualité. C'est bien d'avoir un deuxième club qui fait le match. Et c'est vrai que personne ne vous dira le contraire, tous les acteurs du foot auraient envie que l'OM soit au top et fasse le match contre Paris. Pourquoi? Parce que c'est les deux marques les plus fortes et que tout le monde aurait intérêt à ce qu'elles soient proches l'une de l'autre dans la compétition. Ce qu'on peut dire quand même, c'est que globalement, c'est en train de se raccrocher avec Monaco qui met à la fois de l'argent et surtout, il ne s'agit pas de mettre que de l'argent, le met intelligemment. Lyon qui propose quelque chose d'autre mais qui fonctionne aussi. Donc voilà, ça commence à avoir un petit peu de gueule quand même, surtout que Paris est moins dominant. Mais il y aura toujours de toute façon des équipes de tête et des équipes de queue, comme il y a en Formule 1 des voitures pour gagner, des voitures pour faire le nombre, on va dire. Mais si elles sont pas là, il n'y a pas de course. Donc voilà, donc il faut des clubs. Après, si on regarde objectivement l'attractivité des clubs français,
pour des investisseurs éventuellement étrangers, il n'y a quand même pas énormément de marques extrêmement puissantes dans le foot français. Quand je dis de marques, c'est-à-dire des clubs qui aient une aura qui dépasse leur cadre géographique de proximité, en gros. Bordeaux a du potentiel peut-être parce que l'image de Bordeaux, on a prêté aux Chinois l'envie d'acheter Bordeaux plusieurs fois parce qu'ils achètent les châteaux, etc. Saint-Étienne a peut-être du potentiel parce que vraie ville de foot. Mais après, assez vite, on tombe sur des clubs qui n'ont pas aujourd'hui d'histoire et de véritable aura internationale. Donc c'est pas facile d'attirer des gros investisseurs. Merci beaucoup. On a quand même assisté depuis 4 ans, je crois, à l'éclosion d'un phénomène médiatique, mais aussi sportif, à savoir Zlatan Ibrahimovic, aujourd'hui qui nous a quittés pour la Première Ligue. Est-ce que vous voyez quelqu'un lui succéder, peut-être pas en termes d'aura, mais vraiment de meilleur joueur du championnat? Je vous ai mis une petite sélection, vous n'aimiez pas trop faire de choix, vous nous avez dit. Et voilà, c'est pour moi les 6 joueurs qui ressortent un peu du lot actuellement. Zlatan a dominé la Ligue 1 comme personne ne l'avait dominé et ne la dominera dans les années à venir, à mon avis. Donc voilà, il ne faut pas, je pense, chercher le nouveau Zlatan, quelqu'un qui incarnera totalement le club. Voilà, là, il y a 6 beaux joueurs, effectivement. Bernardo Silva, je vous donne ça en scoop, sera l'invité du CFC dimanche. Merci beaucoup. Voilà. On a... Avec beaucoup de... Je fais une parenthèse aussi, mais c'est parfois les supporters croient qu'on n'invite pas les joueurs de leur club, mais ce n'est pas qu'on ne les invite pas, c'est que c'est très compliqué de travailler avec certains. Et voilà, on galère vraiment pour faire venir des joueurs de certains clubs. Donc, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de Monégasque et on est content d'en avoir un. Ensuite, Balotelli, je pense qu'il est quand même plutôt de passage quand même, mais c'est super d'avoir un gars comme ça dans notre championnat. Verratti, c'est un joueur magnifique. Lacazette, Thiago Silva. Voilà, non, mais on aurait pu en mettre d'autres. Marquinhos. Il y a des beaux joueurs quand même dans la Ligue 1. Il y a des beaux joueurs. On est d'accord. Et l'an dernier, on a vu l'éclosion du phénomène Dembélé. Qui vous voyez comme révélation de l'année en Ligue 1 cette année? Là aussi, c'est ma sélection, mais ouais, vous en avez peut-être une autre. Rabiot, quand même, est en train de passer un cap vraiment étonnant, enfin je trouve. Pour moi, c'est rien à voir avec le joueur de l'an dernier qui jouait de manière un peu dilettante et était très bon. Je mettrais Mbappé, quoi, qui pour moi est un joueur exceptionnel et surtout un garçon d'une immense maturité que je trouve vraiment très très fort, quoi. Donc, je le vois bien. Ouais, qui a été très fort avec les moins de 19 et qui nous a fait rêver. Bah, écoutez, c'est tout pour moi. Merci. Je vous remercie. Vous avez ça ou pas? Les questions de crête, c'est déjà pas. Vous les avez, les questions de crête? Bon, on les a pas. Pardon. Donc, on va. Les questions mitraillettes, on ne les a pas. On n'a pas de questions mitraillettes. On va passer directement. Si, on les a? Non, on les a pas. Donc, on va passer au temps additionnel. Donc, ceux qui suivent le CFC, il y a toujours 2 minutes à la fin, 2-3 minutes où on a le temps additionnel. Donc, là, on a essayé de concocter des petits trucs sympas. On a quelques questions, donc il y a quelques personnes qui sont venues nous voir en disant oui, on a un peu peur que la conférence soit faite pour les amateurs de football essentiellement, et donc il y avait des questions un peu moins poussées, un peu plus simples donc ça c'est une question qui nous vient tout droit la trésorière du BDS qui, c'est pas beau de dénoncer hein. Voilà, qui d'ailleurs s'est barrée parce qu'elle avait honte je pense. Sa question c'était le hors-jeu ça sert à quoi et ça marche comment? Alors ça c'est une très bonne question contrairement à ce que vous suggériez. Je vais essayer d'expliquer. Si vous voulez, on peut se mettre debout parce que j'ai un peu mal aux jambes aussi. Ouais. Non, mais je vais essayer de vous expliquer pour ceux qui comprennent pas le foot, justement, pour les nuls, le hors-jeu, parce qu'on oublie la raison pour laquelle la règle du hors-jeu existe. Et souvent, on l'oublie, et même les footeux, on passe 3 minutes à regarder un ralenti pour savoir si le gars a le genou hors-jeu, etc. Et je pense qu'en faisant ce type de débat, on oublie complètement la raison du pourquoi, en fait. Le hors-jeu, c'est simple. S'il n'y avait pas de hors-jeu, est-ce qu'il y a des filles... Oh, je suis super macho, là, pardon. Est-ce qu'il y a des filles ou des garçons qui comprennent rien à la règle du hors-jeu? C'est 2 membres du BDS, encore. Voilà. 3 membres sur 3 personnes. Voilà, pour 3 seulement, mais quand même. Super. S'il n'y avait pas la règle du hors-jeu, un attaquant
pourrait, pendant que le jeu est de l'autre côté, dans son camp, s'asseoir dans la surface de réparation adverse, se mettre près du poteau du gardien adverse, et puis attendre, comme ça, peinard, que le ballon lui vienne. Et puis il suffirait que le gardien, son gardien, récupère la balle, mette une grosse craquée devant, il se lèverait et il pourrait marquer. Donc le hors-jeu a été créé pour éviter ça, pour éviter que des joueurs, finalement, campent dans le camp adverse en attendant la balle. Et donc il a obligé tous les joueurs d'une équipe à bouger ensemble pour que jamais l'attaquant ne soit au-delà du dernier défenseur. De l'avant-dernier défenseur, parce qu'il y a le gardien, mais je ne vais pas embrouiller. Donc, en fait, tout simplement, si lui joue chez les rouges, son but est là, il est défenseur, il est bleu. Je suis bleu aussi, il est rouge, je suis bleu, je suis attaquant, je veux marquer là. Donc, si j'attends la balle là, c'est bon. Si j'attends la balle là, c'est pas bon parce que je suis dans son dos et qu'il n'y a plus personne. T'inquiète pas. Et si je suis là, sur la même ligne, je ne suis pas hors jeu. Mais si je suis là, oui, je suis hors jeu parce que ma jambe droite est en avance. C'est que le corps qui compte, pas les bras. C'est la ligne de nuque, on va dire. Donc voilà. Donc le hors jeu, du coup, se juge en réalité. Parfois au centimètre, mais moi personnellement, je trouve que quand il y a hors-jeu d'un demi-genou, c'est pas grave puisque le gars il a pas profité de sa position de hors-jeu. Donc je suis pour qu'on se prenne pas le chou à savoir si le gars était hors-jeu pour 30 centimètres, on s'en fout. S'il est hors-jeu de 2 mètres, oui, mais voilà. D'accord. Autre question. Merci beaucoup pour l'explication. C'était limpide. Les filles, vous avez compris ? Super. Yes. On a une autre question qui sera la dernière à ce sujet-là. La question, c'était comment est-ce possible que deux joueurs jouent dans le même club et s'affrontent quand ils jouent avec leur pays ? Non, mais c'est bien ça. C'est très bien. Je tairai le nom de la personne parce que je l'apprécie particulièrement. Non, c'est très bien. En fait, il faut comprendre qu'il y a deux footballs. Il y a le football des nations. Donc le football, on va dire, juste patriotique, qui est basé sur la nationalité des joueurs, et le football des clubs, on va dire, on pourrait appeler ça le football privé, on va dire, des clubs privés. Donc le football des nations, on joue par nation, donc équipe de France, équipe d'Espagne, équipe d'Argentine, équipe du Brésil, et le football des clubs, on joue pas par nation, on joue par l'employeur qui vous emploie, et donc qui aujourd'hui, avec des règles dans lesquelles je ne vais pas rentrer, toutes les nationalités peuvent cohabiter. Donc ça veut dire, avec des barrages qui ont un peu tout sauté ces dernières années, ce qui fait qu'on peut vraiment créer des mosaïques, ce qui fait qu'aujourd'hui, des clubs anglais n'ont plus d'anglais, ou des clubs français n'ont plus de français, ou très peu. Et donc des joueurs, les employeurs à l'année des joueurs, ce sont les clubs. Et de temps en temps, tous les 4 ans, il y a une Coupe du Monde et tous les 4 ans, il y a un championnat d'Europe ou une Coupe d'Afrique tous les 2 ans ou une Copa América en Amérique du Sud tous les deux ans. Les joueurs vont jouer pour l'équipe de leur pays. Donc de temps en temps, il y a des joueurs qui sont, si un Espagnol et un Turc jouent dans la même équipe de club, ils peuvent s'affronter le jour où l'un joue pour l'Espagne contre la Turquie. Mais ensuite, ils sont à nouveau copains quand ils se retrouvent dans leur club. Voilà, tout le monde est copain finalement. Voilà, vous avez compris aussi ? Voilà. Oui, j'expliquerai à Alexane. Je suis désespéré. C'était même pas elle, ça. Qui est ce gars, jeune garçon ? Donc là, il y a ce monsieur-là, donc c'est vous. Oui. Et on a trouvé une petite vidéo sur vous, parce que depuis tout à l'heure, vous faites un peu le malin, vous faites quelques blagues et tout ça. Et là, on a trouvé une grosse qui est absolument pas passée. Je vois, mais je vais répondre. Normalement, ça devrait partir en régie. Michel. Ah, votre effet est raté. Hein. Voilà. J'ai cru que vous vouliez me parler de la jeune fille derrière, en fait, au départ. En attendant, justement. Non, parce que... Trois. On peut dire ça à Valenciennes aussi, un petit peu. Dans le ventre mou. Un but de... Bastia qui avait 4 suspendus du match contre Ajaccio. Oui, c'est vrai. Qui était handicapé par ça. But de Harlem Cheik Diabaté. D'accord. Et pas de moi, donc. Spontané. Merci pour ce triomphe. Merci pour ce triomphe. Un mot sur les spécialistes demain, 19h40. Alors,
très important de savoir qu'une blague s'inscrit toujours dans une temporalité. Elle est ressortie il n'y a pas longtemps sur les réseaux sociaux. Elle paraît complètement nulle et ringarde, mais à l'époque... Je pense que même le public était dans la même temporalité à ce moment-là. J'ai un deuxième aspect. À l'époque, elle était complètement dans l'air du temps. Tout le monde était sur les RM check. Donc, d'une très grande finesse, contrairement à ce qu'on essaie de faire croire. Et deuxièmement, elle est tuée par Pierre, qui ne supporte pas que quelqu'un d'autre fasse des blagues que lui, et qui donc, par ce petit geste ironique, engage les gens à ne pas rire. Et faites l'expérience, racontez une blague, même drôle, avec un gars à côté qui fait un nul, ça ne marchera pas. Donc j'ai été victime, dans un premier temps, d'un acte de malveillance sur le plateau, et ensuite, 3 ou 4 ans après, d'un nouvel acte de malveillance, faisant croire que cette blague n'était pas drôle alors qu'elle est hilarante. Voilà ma réponse. Merci beaucoup. Donc, on va rester un peu dans la tendance. Est-ce que vous pourriez nous expliquer l'image de gauche? Alors, il y avait pire que ça. Hein. Ah merde, ouais. On n'a pas trouvé. Ça, c'est une participation à une émission qui s'appelait Ah, enfin te voilà, sur Comédie. Et le principe était très sympa. Enfin, je trouve que ça fait partie des émissions nouvelles, je trouve. Enfin, nouvelles, qui a inventé quelque chose, en tout cas. Le principe, c'est qu'il prenait quelqu'un dont c'est pas du tout le métier d'être sur une scène. En l'occurrence, ce jour-là, Pierre et moi. On arrivait, on avait accepté de jouer le jeu. On savait pas du tout ce qu'ils allaient, en quoi ils nous allaient nous mettre. Et on nous grimait. Et il y avait un public, comme vous, ce soir. Et il y avait une scène de théâtre avec des gars de la Ligue d'improvisation. Et on ouvrait la porte, et le premier mot était « Ah, enfin, te voilà, Norbert » ou machin. Et on était plongé dans une scène de théâtre. Il fallait qu'on improvise, qu'on joue. Voilà. Et donc, je dis qu'il y avait pire, parce que ça, c'est le deuxième. Le premier, j'étais en blonde, avec des cheveux comme ça, des escarpins, mini-jupes. Ça a été censuré, on ne l'a pas trouvé, celle-là. Pourtant, ouais, vous avez mal cherché. Mais ça m'arrange, ça m'arrange. Et donc, voilà, donc c'était, j'avais tenu 5 ou 6 minutes dans un scénario comme ça, avec des acteurs. C'était très sympa à faire, en tout cas. Et à droite, on a retrouvé une petite vidéo où vous êtes en train de vous habiller sur le plateau et vous refaites un peu vos cheveux, votre cravate, vos mines. Je ne connaissais pas cette photo. C'est cocasse. Ouais. Voilà. Donc la parole au public. Simplement, avant toute chose, avant d'en venir à la parole au public, on a fait un événement la semaine dernière, on vous en a parlé tout à l'heure, qui s'appelle le Derby Rhône-Alpes. Ouais. Et donc pour ça, on cherche un commentateur pour l'année prochaine qui puisse venir sur place et commenter les matchs. Donc là, c'est toutes les équipes un peu collectives, donc principalement le football, qui jouent, et on cherche un commentateur pour l'année prochaine. Et d'ailleurs, le capitaine de tout à l'heure, c'est lui qui a organisé l'événement. Et c'était celui qui a fait zéro là tout à l'heure. Ouais, exactement. Ouais. Voilà. Et donc c'était son grand souhait en fait cette année de vous demander si vous vouliez venir l'année prochaine pour commenter le match de football. On vous mettrait une belle cabine. Aurèle, je crois que c'est mort. Je prends pas de décision comme ça pris par la foule. Ah oui. Alors, tournez pour tout le monde. Non, je sais pas. Je ça va être compliqué, je pense. Bon, c'est pas grave. Donc maintenant, on va donner la parole au public. Vous pouvez peut-être vous mettre au milieu, comme ça tout le monde vous verra. Donc, est-ce qu'il y a une première question? Les micros vont circuler de manière horizontale et latérale. Bonsoir. Petite question par rapport aux formations. Il marche ou pas? Ça marche. Par rapport aux formations, on a vu tout à l'heure que vous aviez suivi un parcours plutôt classique. Est-ce que vous pensez que, par exemple, en sortant d'une école de commerce, on peut finir dans le journalisme, et notamment dans le journalisme sportif? Alors, le journalisme a ceci de particulier, qu'il n'existe pas d'exercice illégal du journalisme. C'est-à-dire que contrairement à l'architecture, à la médecine, on peut être journaliste sans avoir fait un diplôme de journaliste. Et journaliste, celui qui a une carte de presse, et qui a, donc si demain, quelqu'un qui tronçonne des arbres dans la forêt trouve quelqu'un qui le prend comme journaliste, au bout de 3 mois, il pourra avoir sa carte de presse. Donc il n'y a pas de formation interdite.
Il y a des profils de gens assez vastes. Philippe Doucet, par exemple, a fait une école de commerce. Il a fait l'école de commerce de Rouen, je crois. Donc il n'y a pas d'impossibilité, même si ce n'est pas le parcours le plus évident. Ce qui compte pour être journaliste, c'est d'être curieux, c'est d'avoir l'esprit de synthèse. Enfin, c'est des qualités, on va dire, naturelles et un peu de culture générale. C'est une question d'attitude, on va dire. Donc, pourquoi pas, voilà. Encore une fois, voilà, c'est pas le chemin le plus évident, plus droit, mais il y a pas de, c'est pas rédhibitoire. Allô, allô, ça marche? C'est pas un téléphone, hein. Donc, tout d'abord, merci beaucoup pour votre présentation. J'avais une petite question qui va un peu mixer le business aussi avec le football. Enfin, vous savez sûrement que le football, c'est un sport qui est très populaire. Et est-ce que, excusez-moi pour... non, mais populaire dans le sens... dans le sens working class, entre guillemets. Est-ce que, excusez-moi pour l'expression, mais ça vous fout pas les boules, entre guillemets, un sport aussi populaire perd cette notion de popularité au profit du business qui grandit, notamment pour vous qui êtes fan de Liverpool, si je me trompe pas. De Liverpool? Ouais. Pas plus que ça. Ah bon, bah excusez-moi, je me suis planté alors. Qu'est-ce que tu entends par perdre sa popularité? Bah, perdre cet aspect populaire, enfin, un sport comment dire, oui, sport par exemple, le prix des places qui augmente, l'aseptisation dans les stades, ouais. Le fait que vraiment le business prennent le dessus sur le sport en lui-même et que... Tu parles de public, d'accord. Voilà, notamment. D'accord. Bon, après, parce que, bon, qu'il y ait de l'argent dans le football, peut-être qu'il y en a trop, mais ça ne me choque pas plus que ça, parce que c'est une activité qui génère beaucoup d'argent. Après, c'est vrai que le public, que les dirigeants rêvent d'un public consommateur, on va dire, voilà, qui dépense un maximum d'argent dans le stade, en faisant un minimum de bruit. Et c'est vrai que c'est triste, ouais, que c'est dommage. Et je pense qu'aujourd'hui, même si en Angleterre, ils ont un rapport au foot différent, c'est-à-dire qu'il y a des gens, parce que les places en Angleterre, clairement, sont extrêmement chères, mais les gens se saignent pour continuer à aller au stade. Et le paradoxe, c'est que alors que c'est très cher, il y a quand même toujours les gens qui continuent à suivre leur club, même si aujourd'hui, pour voir une vraie atmosphère de foot en Angleterre, il faut plutôt aller en D2 ou en D3 qu'en Première Ligue. Aujourd'hui, Old Trafford, c'est Disney, quoi, hein, c'est les charters de Japonais qui viennent au stade. C'est, oui, bien sûr que ça m'attriste, ouais, ça m'attriste, parce que moi, je suis attaché au foot... au foot de main, à la fois au foot amateur de la main courante et puis au stade qui vibre. Je trouve qu'on c'est un calcul à court terme que de penser qu'il faut aseptiser les stades et avoir que des consommateurs bien polis dans les stades. Je suis du même avis. Merci. Bonjour, monsieur Matou. Oui. Je vais rebondir sur votre idée du stade qui vibre. Moi, je suis originaire de Montpellier. Et donc, en 2012, on a remporté le championnat de France devant le Paris Saint-Germain, qui venait d'être acheté par les Qataris. Ma question, c'est donc, selon vous, est-ce que cette année, Nice ou d'autres petits clubs, entre guillemets, peuvent recréer cet exploit, ou l'apport des investisseurs étrangers aurait-il déjà tué le spectacle en France? Je pense que Nice peut le faire. Difficilement quand même, parce que là ils commencent déjà à avoir quelques signes d'essoufflement, mais je pense qu'ils ont quand même un peu de profondeur de banc. Je pense qu'ils sont outsiders possibles. Après, ça resterait un exploit, donc ça veut dire que c'est quand même pas fait, quoi. Le plus probable serait que soit Paris, soit Monaco, soit champion, mais en tout cas c'est déjà beau qu'on se pose la question aujourd'hui après 14 journées. Dans le paysage du foot tel qu'il est aujourd'hui dans notre Ligue 1, c'est des choses qui vont arriver, parce que le sport, encore une fois, est générateur de ça, mais arriver plutôt rarement. Donc 2012, ça commence à dater un peu. Oui, ça va. Leicester l'a fait en Angleterre. Pourquoi pas? Il y a une petite chance. D'accord, merci. Bonjour, monsieur Matou.
Alors voilà, vous parliez tout à l'heure des équipes comme le PSG, Monaco, qui sont nécessaires à Canal+ pour l'audience. On parle des matchs du vendredi soir, du dimanche soir. La Ligue 1, c'est aussi des matchs le samedi soir. Moi, je suis fan de Nantes. Je le sais. Très honnêtement, j'ai plus l'impression de faire un acte de sport. Je fais de l'humanitaire. Je regarde Nantes, c'est triste. Il y a Lorient, il y a Marseille. Un club comme Marseille, c'est dommage. Est-ce que vous n'avez pas peur, vous, vos collègues spécialistes, que la Ligue 1 s'enfonce au niveau du niveau par rapport à des ligues comme la Liga, la Serie A, la Première Ligue? Est-ce que vous n'avez pas peur que justement, peut-être un jour, on se rende compte que les 750 millions d'euros donnés à la Ligue 1 pour la diffusion, ça ne vaut pas le coup? Alors, si on écoute les dirigeants de la Ligue 1, eux, ils estiment que ça vaut un milliard, que ça peut valoir un milliard très vite. Difficile de... Déjà, le prix d'un événement, c'est le prix que qu'un acheteur, si tu vends ta voiture, son vrai prix, c'est le prix que quelqu'un est prêt à te donner pour l'acheter, quoi. Donc on verra bien comment ça tourne. On est obligé de constater qu'il y a une embellie sur les clubs du haut de tableau. Enfin, en Ligue des Champions, on va avoir deux clubs en huitième de finale pour la première fois depuis longtemps. Peut-être trois si Lyon fait l'exploit contre Séville. Donc on va dire que la tête semble aller en augmentant. Après, effectivement, tous les clubs au-dessous, je trouve qu'il y a... Il y a quand même relativement peu de jeux. Au-delà de... Moi, je pense qu'il faut sortir de l'économique et que les dirigeants, trop souvent, donnent l'argument économique, etc. Je pense que le foot français a besoin d'ouvrir les fenêtres, de mettre un peu d'air et de changer un peu de mentalité vis-à-vis du jeu, de jouer, d'arrêter de dire, de se plaindre de tout et de rien, d'arrêter de dire fantastique, on a fait un super match quand ils ont eu deux occasions, qu'est-ce qu'on a souffert alors que tu les as vus, ils n'ont pas eu d'occasion contre eux. Je pense qu'il faut certainement aussi je pense que l'apport de techniciens étrangers, parfois l'arrivée de Lucien Favre à Nice par exemple, et même de Bielsa à Marseille, a fait du bien vraiment. Et il faut s'ouvrir, on est un peu sclérosé dans notre... On baigne dans notre jus un peu parfois, je pense. Il y a une mentalité globale de jeu qui me paraît pas assez festive, pas assez tournée vers le jeu et l'offensive. C'est peut-être en train de changer, mais effectivement, il y a un devoir de spectacle. Et le spectacle, on l'entend très rarement dans la bouche des entraîneurs. Parfois des dirigeants, parce qu'eux savent que quand même, il y a un moment donné où quand les télés mettent de l'argent, c'est pour avoir un spectacle. Mais les entraîneurs sont extrêmement tournés dans leur petite problématique de jeu. Et je trouve manque un peu de vision au-dessus de ça. Donc c'est vrai qu'il y a quand même des matchs qui sont un peu désespérants, parfois. Merci beaucoup. On s'excuse pour René Girard. On est désolé. Bonjour, monsieur Matou. J'ai une question pour vous. Je vais rebondir sur ce que vous venez de dire. Du coup, est-ce que vous ne pensez pas que, de par le comportement de certains joueurs sur le terrain et en dehors, ça nuise à justement ce spectacle? Pensez à quoi? Je pense à des joueurs comme, par exemple, Diego Costa, où on a longuement parlé de lui de la saison dernière, ou même il y a 5-6 ans, des joueurs comme Nasri ou autre. Dans une activité humaine quelle qu'elle soit, il y aura toujours des personnalités diverses et variées. Diego Costa, il joue pas chez nous, hein, mais on voit comment il se comporte sur un terrain. Et en même temps, quand on a tous joué au foot dans une équipe, on a toujours eu dans le groupe un Diego Costa quelque part. Voilà, il y a toujours des bagarreurs, des gars qui cherchent un peu l'embrouille, d'autres qui sont plutôt des gars qui vont calmer. Moi, je pense que c'est du sport. Il ne faut pas non plus aseptiser tout. Enfin, je trouve que deux joueurs qui s'accrochent, qui se bousculent, je ne dis pas que c'est un exemple, que c'est super qu'il faut faire ça, mais de temps en temps, ça arrive, c'est du sport. Quoi. Voilà, c'est pas l'opéra. Donc, ce n'est pas non plus tragique. Après, tu donnes des exemples différents. Enfin, Nasri sur le terrain, il n'y a pas eu trop d'incidents à part à l'Euro en Ukraine. Mais je prends tout ça dans sa globalité. Il y a des bad boys, il y a des pénibles, il y a des sympas. C'est,
C'est la vie, quoi. Le foot n'a pas vocation à être super exemplaire en tout point, le truc d'exemplarité dans la société non plus, quoi. On va garder encore une ou deux questions en Igor après la scène et ce sera la dernière. On est désolé. C'est la mienne après. Vas-y, Igor. Allô. Donc, bonjour, monsieur Hervé Miaou. Mais elle est très bonne. Ben, elle est connue. j'aimerais être commentateur sportif. Je te vois plus auteur des guignols, franchement. Ouais, donc je me demande ce que je fais en école de commerce. Et donc, on a pas mal parlé de votre métier de présentateur. Vous avez été aussi commentateur sportif. Quelles seraient les qualités requises, excusez-moi, pour être un bon commentateur sportif? Parce que je sais plus ce qu'il faut pas faire en regardant les matchs de Christian Jean-Pierre. Et donc, quelles seraient les qualités à avoir pour être un bon commentateur de football? Faut être beau gosse. Avoir le poil luisant. Je vais pas faire le pédigré de ce qui... Moi, je pense que le sport, c'est une matière comme une autre, entre guillemets. C'est-à-dire que quand on est journaliste de sport, et on préfère souvent journaliste de sport que journaliste sportif, parce que je connais plein de journalistes de sport qui sont pas sportifs du tout. Je donne pas les noms. C'est un peu la différence entre notre génération et la génération précédente. La génération d'il y a 30 ans, c'est des gars qui étaient des passionnés de sport, de foot, de sport, et qui étaient arrivés dans le journalisme via leur passion pour le sport. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils étaient souvent dans une posture de défense à tout prix du foot ou du sport, etc. La nouvelle génération, on est des journalistes. On est des journalistes. Il se trouve qu'on est passionnés par le sport, et parce qu'on peut pas faire ça si on n'est pas passionné, parce qu'il faut un background qui revienne de loin, une culture ancrée et une passion, vraiment. Mais la passion ne suffit pas. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on est passionné de sport ou passionné de foot qu'on peut faire ce métier. Notre métier, c'est pas le foot. Notre métier, c'est le journalisme. Et il se trouve qu'il est dans le foot. Mais moi, honnêtement, demain, je peux traiter une matière qui soit tout à fait autre, je la traiterai quelque part de la même manière. Donc voilà, c'est un métier, c'est un métier, le journalisme, et qui est souvent décrié. Et j'avoue que j'ai du mal à comprendre pourquoi tout le monde s'en prend toujours aux journalistes. Il y a des pays où il n'y a pas de journalistes, et je pense qu'ils aimeraient bien en avoir. Et je pense aussi que via les informations qu'on peut avoir sur les réseaux sociaux, on se rend compte que le travail de journaliste est utile quand même, parce que distiller de l'information. Aujourd'hui, c'est vrai que tout le monde peut distiller de l'information. Tout le monde peut être, entre guillemets, journaliste, mais une information donnée comme ça sur Twitter, parce qu'on l'a vaguement entendu quelque part, et une information travaillée par un journaliste, ce sont deux choses très différentes. Donc voilà, il faut des qualités. C'est un métier comme un autre. Enfin, il faut l'apprendre. Apprendre à traiter une information, trouver des sources, les croiser, faire le tri entre ce qui est une info, ce qui n'en est pas, la mettre en forme, la rendre intelligible, travailler sous la pression, travailler vite, voilà, tout ça, et c'est comme plein de métiers, ça s'apprend. Et la dernière question, s'il vous plaît. Je suis là. Voilà. Oh, bonjour, ça va bien? Ça va et toi? Comme il y a une fille qui a levé le doigt et qu'il n'y a pas eu de fille, après toi, on prend une dernière question de mademoiselle. Et puis c'est pour vous, si vous voulez rentrer à Paris ce soir. Je veux, mais voilà, alors fais vite, sois fort sur l'avant-dernière. C'est pas tellement une question, c'est plus une requête. Parce qu'en fait, à la maison, on est trois à regarder le foot. On est mon père, mon frère et moi. Et malheureusement, depuis que vous vous êtes fait pousser la barbe, ma mère regarde le CFC. Ah, c'est bien. Donc c'était pour vous demander surtout est-ce que vous pouviez la raser, qu'on puisse regarder regarder le foot entre couilles. T'as pas envie que ta mère reste avec toi? Ouais, voilà, c'est compliqué. Désolé, mais tu vas encore quelques temps avoir ta mère à côté de toi. Allez, le mot de la fin, mademoiselle. Bonjour, bonsoir. Ça marche, non? Ça marche. Ça marche, bon d'accord. Déjà, merci pour ta remarque un peu sexiste sur les filles et le hors-jeu, parce que je pense que j'en connais un peu plus que toi sur le foot. Donc voilà. Quand je pense que je t'ai donné la parole volontairement, alors au lieu de partir. Et ensuite, j'ai une deuxième, c'est une requête plus qu'une question d'ailleurs. Je me suis repris juste derrière. Je ne suis pas Gem, donc je suis désolée, mais j'ai une requête, je fais partie de Sciences Po.
et je fais partie du groupe d'Ultra de Sciences Po et on voudrait savoir si vous pouvez faire une vidéo de soutien juste avec mon téléphone pour nous soutenir contre, parce qu'on a une compétition inter-IEP. Contre quoi? Une compétition inter-IEP. Inter-IEP, ouais. Et je pense qu'on a les mêmes ennemis, hein, c'est Lyon et Paris, donc voilà, en tant que grenoblois, bien sûr. Et voilà, ça j'ai juste une deux secondes. Non, franchement, j'ai pas le temps. Bon, j'ai pas le temps. J'aurais essayé au moins. Non, désolé, mais j'ai pas le temps parce qu'il faut vraiment, j'ai mon train dans très peu de temps. Et en plus, je vais dire une chose. Là, ça mange pas de pain ce que tu me demandes, mais oui. Je suis souvent sollicité pour des BDE, des BDS, des machins, des trucs, des gens qui veulent que je fasse des vidéos, etc. Et je le fais pas. Sauf si vraiment je connais super bien la personne et je peux pas lui refuser, mais je le fais pas parce que déjà bon, je fais aussi les bar mitzvahs, les mariages, les trucs. Au bout d'un moment, je passerai ma vie à faire ça. Et sur les BDE, les machins, il y a un moment donné, je trouve que je sais pas qui sont les gens, je sais pas ce qu'ils défendent. Et là, je parle pas pour ta requête en particulier, c'est un tournoi de foot inter-IEP. Puis mon fils a fait Sciences Po à Paris, donc je peux pas soutenir. Grenoble, désolé. Je trouve que parfois, sans réfléchir comme ça, tu vas dire ah ouais, je vous soutiens tel truc, et puis tu t'aperçois que les gars ils soutiennent des trucs affreux. Et donc voilà, je préfère maîtriser ma communication et pas faire pour faire plaisir comme ça aux débeautés dans la rue des prises de position qui vont m'échapper. Voilà. Donc désolé. Merci pour cette dernière question. Allô. Ouais. Donc, on aimerait énormément remercier Monsieur Hervé Matou pour sa présence aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié ce moment. Merci. Je précise juste un truc, c'est qu'au début j'ai hésité à ce que ce truc soit filmé. C'était parce que aussi je sais que c'est filmé pour le coup, mais c'est très difficile d'avoir des espaces non publics. Et je voulais aussi vous parler avec sincérité, pas être dans de la com, etc. Donc c'est pour ça que j'ai pas voulu non plus que sur Twitter, chacune des phrases que je dis soit reprise pour pouvoir vous parler avec plus de sincérité. Voilà, c'est ce que j'ai essayé de faire. C'est très beau ça. Hein. Donc au nom de J'aime en débat, évidemment, on vous remercie également. Je remercie le BDS qui a été partenaire pour cette conférence, donc avec J'aime en débat. Merci aussi à nos deux autres partenaires, Société Générale et Crème de la Crème. Et puis voilà. Il y a Nicolas, Loïc et Charline qui ont été des intervieweurs exceptionnels. Merci Monsieur Matou. Donc, voilà. Passez une bonne soirée, embrassez vos familles. Et j'invite le BDS, si j'aime en débat, à venir faire une photo avec notre invité du jour.